Les animaux sont vraiment cool à observer, mais vous savez ce qu'il y a de mieux que de les regarder? Eh bien, c'est tout simplement être un animal. Et salut tout le monde, c'est Redkill, et au fil des années, vous le savez, j'ai incarné différents animaux. Mais quel est le meilleur animal ou bien mon préféré? Restez donc bien jusqu'à la fin pour le savoir. Et salut tout le monde, c'est Redkill, et bienvenue à tous sur un jeu incroyable, puisque nous allons avoir la chance aujourd'hui de vivre notre vie de petite araignée de sa naissance jusqu'à sa mort. Et en parlant de ma naissance, regardez les amis, où est-ce que je suis né? Ah, c'est ça a rien à voir avec la maternité du coin, mais autant vous dire, on est plutôt bien ici. C'est plutôt paisible. Enfin, je dis ça parce que je suis à l'abri, que je suis avec ma maman, mais une fois sorti, à mon avis, on va devoir faire face à toutes sortes d'insectes ou d'autres arachnides qui risquent de nous embêter. Donc première mission, je peux voir toutes mes frères et sœurs. Donc oui, première mission, faire éclore notre œuf, évidemment. Alors, les roses, ce sont les filles, et les noirs, ce sont les garçons, il me semble. Moi, je crois que je vais être une fille. Alors, attendez, je vais commencer à ouvrir mon œuf, si possible. Ah, il faut que je reste appuyé sur... Moi, je suis celui d'en haut. Attendez, je peux sortir ou pas? Ah, faut que je continue à appuyer. Non. Faut que je saute. Ah, ouais, faut que je saute. Faut que je force. Allez. C'était pas facile. Ma maman a fait des œufs ultra résistants et je suis trop stylé. Donc, je suis bien une araignée femelle, les amis. Waouh. C'est incroyable. Je suis en train de me balader. Waouh, j'ai déjà toutes mes aptitudes. Est-ce que je peux tirer des petites toiles? Non, pas encore, apparemment, je n'ai pas la possibilité. Oh, regardez, mes frères et sœurs ont commencé à sortir. Salut, maman. Attendez, on peut lui parler, mais je peux aussi aller voir. Attends, je peux les manger ou pas? Ah, votre but est de survivre et de grandir jusqu'à devenir un adulte, évidemment. Ok, ça, je m'en doutais. Donc, il faut que j'explore un petit peu tout pour commencer. Très bien. Oh, je peux me fight. Oula, je vais éviter de me battre contre mes frères, je vais plutôt me battre contre mes sœurs. Oh, hasard égal. Alors, comment ça se passe maintenant? Faut que je fasse quoi? Ah! Wow! Je fais des attaques de fou! Attendez, vraiment, il y a tout le monde qui est en train de me regarder. Je suis la mauvaise sœur, c'est celle qui veut se battre direct. Attendez, je peux lancer des petites attaques ou des trucs comme ça? Ah, je peux bloquer les attaques? Wow, les amis, je découvre le jeu avec vous, mais ça va être incroyable. Alors que là, pour l'instant, on n'est qu'un bébé. Alors, attendez, Eevee, ça veut dire quoi? Je peux taper avec Eevee, ça veut dire lourd. Oh, c'est un coup de boule! Ah bah c'est bon, j'ai gagné. Oh, c'est la victoire les amis, c'est parfait, j'ai gagné des points, je ne sais pas à quoi ils vont servir. Oh. On va pouvoir apparemment faire des sauts super longs et on va pouvoir esquiver, faire des... partir, fuir. Oh, c'est trop. Est-ce qu'il faut vous entraîner, d'accord? D'accord, ok, très bien. J'en ai rien à faire de lire et je suis complètement à l'envers. Attendez, on va se remettre à l'endroit et on va sortir du coup. Hop là. Attendez, je vais dézoomer. Je peux sortir par là ou pas? Hop là. Ah non, c'est fermé. Pas où je peux sortir, maman. Attends, les tartes, il faut que j'appuie sur Shift. Oh, que c'est... Ah, c'est pour... d'accord, ça me permet de courir super rapidement. En fait, faut que... Ah, ok, faut que j'arrive à sauter. Maintenant, faut que j'apprenne à sauter super loin. Très bien. Alors, comment ça marche? Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Regardez un petit peu partout, d'accord. En fait, ils sont toujours en train de m'apprendre comment jouer. Ah, je suis en train de tisser une toile vers le haut pour monter ou quoi? Tu es accroché, là, ou pas? Je peux monter? Ouais, je suis monté. Je suis de l'autre côté. Ah ouais, je suis tout là-haut. Je suis au-dessus de maman. Hop là. Et maintenant, on va redescendre. Voilà. Oh, c'est trop ouf. C'est incroyable, les amis. Hold shift to sprint. Ah oui, ça, c'est ce que je faisais tout à l'heure. Parfait. Pour grandir, il faut gagner un petit peu de graisse. Ok, il faut que je mange un petit peu, quoi. Cela va pas apparemment me permettre de muer, évidemment. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est? Il y a du pollen et tout. Ah. Eh, mais tout le monde est en train de manger des trucs. Eh, en fait, on peut toujours pas sortir de chez maman. Et il fait nuit, là, déjà, presque. Bon, ok, on verra peut-être pour le deuxième jour pour sortir et aller se battre ou aller se balader. Mais en tout cas, pour l'instant... Ah, il faut que je mange, ok. Oh, ça y est, j'ai mangé. Faut que j'aille chercher à manger. Ah, il y a d'autres trucs à manger ici. Mais ils sont trop rapides, mes frères et sœurs. C'est abusé, là. Je vais me battre. Tiens, ça, je mange là. Hop, le pollen. Voilà, grain de pollen. Je vais tout manger, les amis. Comme ça, je vais muer le plus rapidement possible. En fait, c'est comme ça qu'on pourra sortir de chez nous, je pense. Pour l'instant, je suis trop petit. Je ne suis qu'un noob. On ne me permettra pas de sortir. Laisse-moi ça, toi, rends-moi ça. Viens te battre. Yeah. Voilà. Alors apparemment la nuit il faut qu'on se repose évidemment et pendant ce temps là notre endurance et notre vie est limitée. Ce qui fait que... Oh, maman dort. Oh, tout le monde dort. Comment je fais? Il faut que... Hold G et F. Oh, c'est parti, je vais faire dodo. J'espère que je vais évoluer pendant mon sommeil. Ça marche ou pas? Ah, c'est en train de passer la nuit là, j'ai l'impression. En attendant, mettez un gros pouce bleu à cette vidéo pour l'aventure qui nous attend, qui s'annonce complètement folle. Et ça y est, nous sommes au jour 2. Et ça y est, déjà tout le monde commence à manger un peu tout ce qu'il y a. Laissez-moi-en. C'est incroyable, ces frères et sœurs. La prochaine qui me pique une... Toi, t'es mort. Viens là, viens te battre. Yeah.
Bon frère, viens là. Je ne partirai pas de là tant que je l'aurai pas battu. Mais attends, mais c'est le plus grand lui. Mais viens me battre, j'arrive pas. Il bouge trop vite les amis, j'arrive pas à me battre. Bon, je vais partir moi. Salut maman, je vais prendre mon indépendance, hein. Salut hein. Non, il est muet. Non, mais ils vont trop vite, j'arrive. C'est bon, j'ai réussi à faire un combat. Let's go. Donc apparemment, les points là, là où j'ai 50 points, les amis, ça permet d'avoir de la réputation dans le clan. Donc à nous d'en gagner un maximum, je sais pas à quoi ça va servir. En tout cas, pour l'instant, on est en train de le démolir, machin. Elle est où ma vie à moi? Je sais pas où elle est ma vie, hein. Elle est puissante. Hop là, oh, je peux partir tout en haut. Hop là, petite esquive. Hein, c'est trop stylé ce jeu, les amis. Bon, alors, on va essayer de le terminer. Ah, je crois qu'il m'a... Ah non, c'est bon. Wow, j'ai pris un coup critique juste avant la fin. J'ai gagné 50 points de respect dans le clan, donc ça c'est nickel. Bon bah allez, je pense qu'il est temps de sortir d'ici. Comment on va faire? Je ne sais pas. On va passer par là peut-être. Hop là, go ouvrir s'il vous plaît. Oh, peut-être que j'aille le dire à ma maman. Non mais sérieux, il n'y a pas un trou quelque part où je peux m'échapper là d'ici? J'en ai marre, je veux mon indépendance moi. Je vais lui monter dessus là. Oh, elle est énorme. Elle est gigantesque. Oh, regardez comme on est tout petit par rapport à elle, c'est abusé. Non mais en fait, on n'a pas le choix, on est obligé d'évoluer, de faire notre première évolution. Sans ça, notre maman ne nous laissera jamais sortir. Donc allez, il faut grailler un maximum. Plus vite que ça. Ben, ça y est, c'est bon, c'est fait. Je suis prêt. Je suis prêt à muter. Let's go. Shedding skin. Oh. Wow, je vais pouvoir sortir de cette peau. Attention. J'essaye. Je vais y arriver. Oh, c'est trop ouf. Oh. Hop là, la voici, la voilà, incroyable. Oh, je suis trop stylé maintenant. Donc, est-ce que ça veut dire que je vais avoir la possibilité de sortir maintenant? Elle est où, ma maman? Elle est toujours là. Hop là, attends, maman, j'arrive. Hop là, oula. Je suis parti où? Avant de sortir, il faut que je continue à grandir apparemment et que je gagne 3 combats, sachant que j'ai déjà gagné 2. Oh là là, je me bats contre un frère. C'est parti. Coup de tête. Il y a personne pour nous observer. Je fais des nouvelles attaques maintenant, j'ai l'impression. Allez, gros coup de tête. Wow, c'est moi qui lui ai mis un coup critique ou c'est lui, je sais pas. En tout cas, on est en train de le défoncer là, clairement. Hop là, petit move. Hop, petite esquive. Tac, hop là, boum, victoire. Bon, moi, je vais continuer à manger histoire d'évoluer un petit peu et je ferai les 2 combats juste après. Ah bah, j'ai lancé un combat, je voulais pas te provoquer, désolé, j'étais en train de manger. C'est un truc de fou. Wow. Il y a un match là. Ok, ça a été super rapide, apparemment j'ai gagné. J'en relance un autre. C'est bizarre, ça a été très rapide. Hein. Celle-là, par contre, elle est pas mal évoluée. Hein. Je sais pas si je vais réussir à la battre. Allez, go. Faudrait que j'arrive à bloquer une attaque, ça pourrait être complètement fou. Faut que j'appuie sur Shift quand il m'attaque. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, oh, c'est... Sa vision nocturne ou quoi? Oh, c'est bizarre, je sais pas ce que c'est. Bon, en tout cas, le frérot, on est en train de l'allumer là. Boum. En fait, il y a des fois, je fais des attaques qui font tellement mal. Bon, bah, c'est bon, j'ai terminé la quête de faire gagner 3 combats. Maintenant, il faut que je mange suffisamment pour évoluer une dernière fois avant de partir d'ici. Eh ben, j'en mange des choses depuis tout à l'heure et j'ai toujours pas évolué. Ça y est. Ça va, je suis prêt. Ok. Go. On appuie sur G et c'est parti. On se sépare de cet ancien corps. Et alors là, par contre, on va devenir... Ah, à mon avis, on va devenir comme elle, à peu près. Hein. Elles sont plus grosses que moi, je crois, celles-là. Bon, allez, faut sortir de là. Allez, sors. J'y arrive pas. Maman, aide-moi, s'il te plaît. Non, on n'a pas besoin de maman. Allez, allez. J'arrive pas à sortir, les amis. Je suis bloqué. Non, j'y arriverai jamais. Ah, c'est bon. J'ai réussi. Oh, mais attends, mais on est super rapide maintenant, sans sprint. Je suis hyper rapide, regardez comment je vais super vite. Oh là, j'active le sprint, alors là par contre, waouh, on comprend rien, plus à ce qui se passe. Alors apparemment, il faut que je voyage à 500 cm de la fleur d'où je suis né, de ma petite maternité. Alors c'est ouvert ou pas? Oui, c'est ouvert. Let's go les amis, à nous la liberté. Attention. Waouh, c'est incroyable. L'aventure peut commencer officiellement. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à rejoindre directement les autres feuilles en me balançant. Mais comment je fais? Je sais pas. Je vais sauter. Ah. Oh. Oh, c'est un truc de fou si ça marche. C'est parti. Oh. Non. Wow. Ça va. Par contre, maman, je suis tout en bas. Viens me chercher. Alors, attendez, je vais monter là-dessus. Oh. Mais non, je vais pas assez loin. Ah, là, c'est bon, je peux y aller, là. Sur la branche. Yeah. Oh. C'est trop classe. Alors on peut sprinter. Mais comment je peux faire la technique du balloon pour passer d'une branche à l'autre? Enfin d'une feuille à l'autre, comment on va faire ça? Comment je peux faire? Faut que j'arrive à faire un saut hyper loin comme ça, peut-être ça sera suffisant. C'est parti, on lâche! Wow! 500 cm c'était assez ou pas? Oh! Je suis tout en bas! Là par contre à tout moment, il y a du monde pour me défoncer.
Des mantes religieuses peut-être, des scarabées? Non, c'est bon, y'a personne Vincent. Comment je vais faire pour remonter par contre? Oh. Ah ok ok, il faut que je me balance encore. Pour l'instant j'ai réussi à me balancer. Faut que j'arrive à battre mon record qui, pour l'instant, est de 102. Non, en fait, faut juste que je m'éloigne de 500 cm, comme j'ai dit tout à l'heure, de ma fleur de base. Donc pour cela, il faudrait remonter, histoire de pouvoir mieux se balancer. Ah, pour l'instant, je peux toujours pas me balancer et lancer plusieurs toiles. Ah, ça marche pas. Bon, allez, on va monter cette branche. Ça peut peut-être le faire. Ah. Bon, par contre, le gros problème, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup d'endurance. Voilà. J'ai juste couru 2 secondes et je suis mort déjà. Quel dommage. Bon allez, on va essayer de monter un peu plus haut là. Oula, je suis parti en bas là. Mince, je suis en train de partir en bas. Alors on va passer là. Saute pas. Oh. Ça va, on va monter comme ça. Pour l'instant, tant que je sais pas m'en servir, à la limite, si je peux m'accrocher à la feuille juste dessus là. On va essayer. Est-ce que j'ai assez de puissance ou pas? Oh non, je pars vers le bas. Pourquoi je pars vers le bas? Non, surtout ne te rate pas. Sinon je repars tout en bas. Non, c'est bon. Bon allez, je vais m'arrêter sur cette feuille, j'aurais pu monter encore un peu. On va aller dans quelle direction? On va aller dans cette direction là. Voilà, parfait. À l'inverse de la branche. C'est parti. Oh, je suis parti juste en dessous. Pour l'instant, les amis, ma vie d'araignée n'est pas maîtrisée. Hein. Voilà, là, je vais pouvoir maîtriser. Il y a du vent, par contre, ou quoi, là? Wouhou! Wow, c'est trop classe. Oh. Allez, on continue, En vrai, en faisant des bonds en avant, là, ça vaut plus le coup que de courir. Hein. De faire des petits bonds en avant, comme ça, mon endurance ne se détruit pas trop vite. Et on va très rapidement atteindre les 500 cm d'écart avec la fleur. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon, tout va bien. J'ai cru que j'étais pris dans un piège. J'ai eu peur. Hop là. Allez, gros, on y va. Allez, plus que 40. Il y a 40 cm. Et on y sera. On avance pas vite, hein, dans la vie d'araignée. Allez, go, faudrait monter sur ce tronc, là. Hop là. Let's go. On est à 492. Ça va être suffisant d'ici peu. Yes. Allez, j'espère pouvoir m'arrêter sur le tronc, là. Let's go. C'est bon, j'ai réussi. Climb fleur et un ballon de progress. Oh, d'accord. Ok, on va remonter sur une fleur, mais... Ok, c'est... La route est longue, hein. Yeah. Oh, attendez, j'ai vu quelque chose là-bas. Non, j'ai rêvé. Ok, oui, normalement, on va rencontrer d'autres espèces, hein. Ballooning required. Ok. Faut vraiment que je monte, là. J'ai pas le choix pour enlever le texte au milieu, là. Allez, on y est presque. Encore un peu d'effort. Yeah. C'est bon. Ok, maintenant, faut faire tout le tour. Hop. Wow. Wow, non. Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai raté ma fleur, les amis. Faut que je remonte tout là-haut. Oh. Ok, on va essayer de passer entre les deux là. Comme ça, je ne devrais pas tomber là. Hop là, c'est bon. Retourne, je suis sur le dos. Mais laissez-moi tranquille, c'est bon. J'y suis. Wow. On dirait que c'est gigantesque. Alors donc du coup, il faut que j'appuie sur G maintenant. Que je reste appuyé sur G pour me balancer. Ah, il faut que je regarde la vitesse du vent. Très bien. Je me prépare à m'envoler. Ça va être fou, ça va être incroyable. C'est parti. Wow! Attendez, j'ai pas l'impression de me diriger là. Ah si, j'avance. Oh, c'est parti en fait, je vais arriver là où je suis né. À la maternité, les amis. Attendez, j'y suis là, hein. Je crois que je suis en direction. Hein. Je suis le vent tranquillement avec ma petite toile. Oh là, je suis en train de retomber. Oh, on va avoir un problème. La nuit est en train d'arriver en plus. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Je peux pas me rattraper. Oh, j'ai ralenti la chute. What? Et les amis, il y a tellement de choses à faire sur ce jeu. Hop là. Bon, je crois que c'est la loose là. C'est quoi le truc jeune là-bas? Oh, c'est chez moi. Et voilà, on est chez nous. Oh yes. Bon bah voilà, il faut faire passer la nuit maintenant. Sauf qu'il faut que je remonte, hein. J'ai pas réussi à aller directement sur la fleur. Je vous le rappelle, je suis encore en train d'apprendre à jouer. Alors si je passe la nuit maintenant là. Si je passe la nuit ici. Oh non mais les amis, c'est hyper risqué, je vais me faire avoir. Non, faut que je rentre chez moi. Arrête de passer la nuit. Faut que je monte. Oh. Surtout faut que... Attendez, je peux plus. La nuit est en train de passer. Je suis à l'air libre. Maman, viens me chercher. Bah, c'est bon, c'est bon. Bon, je vais quand même rentrer chez moi, voir où est-ce qu'ils en sont, mes frères et sœurs. On est au jour numéro 3. On est encore en train d'apprendre des trucs. Mais à mon avis, le jour numéro 3, ça va être le moment où on va commencer à rencontrer d'autres spécimens. En tout cas, j'espère que c'est des spécimens sympathiques. Alors, c'est bon, je suis chez moi, là. Hop, là, on rentre. Oula, qu'est-ce qui se passe? Hop, oula. On va rentrer tranquillement comme ça. Oh, pourquoi c'est tout jeune comme ça? Oh, ah, il y a plein de trucs à manger. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis. What? Bon bah écoutez, on va manger, on va continuer d'évoluer tranquillement tant qu'il n'y a personne. C'est parfait franchement. En fait c'est bizarre parce que je peux plus manger en fait. Toutes les graines que je prends, ça les jette. Ah non, c'est bon, j'ai mangé apparemment. Bon apparemment j'ai encore besoin de faire la mission du fait de se balancer. Donc allez, on va se mettre sur la fleur. Voilà, parfait.
Ballooning Opportunity. C'est le moment pour nous de se balancer. Alors là, on reste appuyé sur G. Alors, on check le vent. Tout va bien? Le vent est bon? On y va? Décollage? C'est parti. Et hop là! Electricity in the air. Alors c'est bon. Il faut que j'arrive à aller à 500 de chez moi, comme tout à l'heure. Sauf que j'arrive, il faut que j'y arrive en ballooning. Et normalement, c'est bon. On va y arriver. Non, pourquoi je reviens vers moi? C'est le vent! Non, pourquoi je suis revenu en arrière? Oh, il faut que je me décale. Allez, les 500 vont bientôt être atteints. C'est bon, j'ai atteint les 500. Ah, j'ai réussi l'objectif. Attention à l'atterrissage, par contre. Boum, c'est bon, la quête est remplie. Maintenant, il faut que j'apprenne à chasser apparemment avec la vision chimique. Alors, je sais pas ce que c'est, tous ces scintillements-là. C'est là où je dois aller. Ah, il faut que j'active la vision. Alors, comment on fait? Faut appuyer sur X. Ah, d'accord, c'est pour activer ça. Une vision qui va me permettre de repérer les ennemis. Alors, ah, je peux pas... Attendez, pourquoi je peux plus avancer? Qu'est-ce que je fais? Ah, il faut que je dézoome. Ah, d'accord. Mais c'est incroyable. Je peux dézoomer au maximum quand je suis dans cette vision-là. Alors, attends, je suis parti où, là? Je suis parti rejoindre qui? Il y a personne de ce côté-là. Là, il y a quelqu'un ou pas? Oh, c'est pas chez moi, ça. Ah, c'est des araignées. D'accord. Là, en jaune, c'est quoi, en jaune? On va voir ça, on va dézoomer. Oh, araignée aussi, d'accord. En vert, c'est quoi? Et hop là. Juste là. C'est quoi? Attends, c'est juste dessous, en fait. Je peux pas voir. Bon, on va aller voir nous-mêmes, je pense, hein. Il faut que je localise un essaim, apparemment. Donc, on va dézoomer là-dessus. Peut-être que c'est lui. Hop là. Mais il y a du monde ici. C'est un truc de fou. Bon, il y en a un qui est beaucoup plus proche. Il est juste là. Donc, on va monter tranquillement. Mais je crois que là, on est parti pour chasser d'autres... Oh, wow, les amis, je croyais que c'était des araignées. Regardez ce qu'il y a. Il y a des sauterelles. Ou des mantes religieuses. C'est un des deux. Oh, ils sont en train de manger les feuilles. Wow. Mais attendez, mais jamais je vais pouvoir me battre contre. Elles sont tellement. Elles sont énormément. Mais what? Salut. Oh. Attendez, je peux me battre ou pas? Tu veux te battre? Allô? Ils en ont rien à faire de moi. Ils me négligent. Ok, faut que je désactive la vision. Ok. Pour voir une meilleure vue. Oh. Elle pourrait me manger en 2 secondes. Hop là. Alors. On désactive la vision, nickel. Ok, il faut faire attention maintenant. Coucou, est-ce que je suis discret là? Apparemment, faut que je... Oh, tout large, ah, elles sont trop... Celles-là, je peux les avoir, ah ouais. Il faut que j'ai les petites, en fait. D'accord, la petite, viens là, la petite. Comment je fais pour l'attaquer? Comment je fais? Faut que j'appuie sur... Contrôle. Oh, est-ce que je vais tisser une toile autour d'elle? Je sais pas. Ah, pour l'instant, je fais rien. Ah non, en fait, c'est que je suis en mode discrétion, là, apparemment. Là, je vais essayer de sauter sur elle. Oh, j'ai failli tomber. C'est chaud, hein. Attendez, on va aller plus sur la feuille. Ah, attendez, je vais aller plutôt sur cette feuille-là. On dirait qu'il y en a moins. On dirait qu'il y en a moins et des plus petites. Ah, c'est pas les mêmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je peux la manger ou pas? Là, je suis en mode discrétion ou pas? Ah ouais, je suis en mode discrétion. Ta-na-ta-ta. Comment j'attaque? Comment... Oh! Je l'ai prise! Ok, je vais la manger. Oh, yes! Je suis en train de la manger ou pas? Ah, j'arrive pas à la manger. Ah, si, c'est bon. Spotting, d'accord. Oh, faut que je fasse quoi, là, maintenant? Il faut que je puisse manger des plus larges. Apparemment, je peux le faire en sprintant vers elle. Yeah. Ah, ouais. Mais c'est trop ouf. On peut faire diverses attaques. Que ce soit la discrétion ou bien directement lui foncer dessus comme ça, comme j'ai fait. Mais c'est incroyable. Allez, go, je peux manger ou pas? Pourquoi je mange pas, là? Allez, mange. C'est incroyable, ça. Ah. C'est bon, elle est morte. On peut la manger, je crois, tranquille. Hop là. Je peux pas la ramener à ma maman? Je chasse pour ma maman, moi. Elle, faut la manger aussi. Oh, elle est partie. J'ai raté. J'ai raté ma proie. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Oh. Oh. Je suis mort. Non. C'est pas vrai, elle m'a détruit. Attendez, je suis... Non, c'est bon, je vais pouvoir me libérer. Libère-toi. Libère-toi. C'est bon, j'ai réussi. Faut faire gaffe. Laisse-moi. Laisse-moi tranquille. Bon, on va essayer d'en attaquer les plus petites qui sont là-bas, là. Là, il y en a là. Yeah. Non, elles sont parties. Celle-là est toute petite, là. Ah, mais elles sont trop petites, je crois. Ça sert à rien. Ok, faut que je sois plus discret. Celle-là, on va essayer de la voir. Y'en a là. Boum.
Let's go. La mer me manque. Je vais tout faire aujourd'hui pour y retourner. Bon, salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On est actuellement sur le jeu I Am Fish et on va devoir l'aider à s'en sortir. Et rejoindre pourquoi pas la mer. Parce qu'il y a des sales personnes qui m'ont enfermé dans ce pet shop. À manger cette nourriture dégueulasse là. D'ailleurs, en parlant de ça... Je veux plus te voir, voilà. Je veux plus y aller. Non, je vais mourir. Aidez-moi. Vite, faut aller dans l'aquarium. Si je peux. Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû faire gaffe, on est un peu haut. On va passer par là, c'est beaucoup plus safe. Et nous allons donc tenter aujourd'hui de nous échapper. Ça tombe bien, regardez, ils ont laissé ouvert la porte là-bas, on va pouvoir y aller. Si on tombe pas, si on se fracasse pas. Oups, excusez-moi, désolé. Faut éviter que je fasse tomber trop de trucs, sinon ils vont se douter de quelque chose. C'est quoi ce truc là? Je sais pas. Oh, attention, on a une belle vue là. On peut pas partir par la fenêtre, elle est pas ouverte là. Ah non, apparemment c'est pas ouvert hein. Ok, j'arrête de me concentrer sur la mer, il faut que je me concentre sur mon parcours. Hey, salut toi, suis-moi mon gars. Suis-moi, désolé, je vais sans toi. T'es sûr tu veux pas venir avec moi mon pote? Ok, très bien, j'ai compris. J'y vais tout seul. Ouh, c'est bancal ce truc. Ouah. Non, désolé mon pote. Oh putain, c'est bon, je l'ai pas tué. Ouf. T'es parti où? Ça veut dire qu'on peut sauter d'ici sans mourir alors? Ah ben oui, il y a un tapis. Attention, c'est bon. Waouh. On est dans le magasin, les amis. Est-ce que je mets le bazar avant de partir de ce sale magasin? Eh, salut, mon pote, ça va? Bon, c'est bon, on est à quelques mètres de la sortie. Bon, par contre, j'arrive pas à monter sur ce tapis. Bon, ok, on va faire le tour. On va passer par là. Allez, on y va, on n'a jamais été aussi proche de l'océan. C'est parti, attention. Oula, mais par contre, il va falloir affronter la rue. Calme-toi, doucement. Ok, c'est parti, on découvre la ville ensemble. La meilleure partie, c'était à l'intérieur, parce que là... On va devoir se confronter à tout. Il va falloir passer sur le toit d'en face là-bas, là, sur ces deux petites cordes. Vous êtes sûr du coup là? Ou là je laisse en pas ça. Y a pas un autre moyen? Bon, ok, très bien, on va tenter. Mets-toi bien droit. C'est parti. Oui. Salut tout le monde. Heureusement il me voit pas passer. Waouh, ça remue quand même hein. Là c'est bon, on y est. Alors on va prendre ce petit checkpoint là. Parfait. Faut faire de la tyrolienne maintenant ou quoi? Comment ça se passe? Faut passer par où? Oh regardez, y a un petit trou là. Me faites pas tomber par contre. Ah mais non, c'est bon, on peut passer. Sur le toit d'en face. Oh. Chut. Soyons discrets, les amis. On va s'échapper. On arrive à la mer. C'est bon. Bon, très bien, continuons par là. Je dirais que nous sommes à 400 mètres de la mer. Alors, la petite palette, on peut pas l'utiliser là? Est-ce qu'il faut descendre? Oh, tout seul. Non, je suis parti. Ah mais oui, c'était là qu'il fallait aller. Oh, c'est bon. Mince, j'aurais dû prendre ça si j'avais pu. Bon, tant pis, je vais en trouver un autre. On va prendre le checkpoint. Alors, hop, valide-moi ça. Oh, mais attends, mais il est un peu cassé mon vase. Il faut que je fasse attention. Non, pas ça encore. Pas ça. Doucement. C'est bon, on est dessus. C'est bon, personne me voit, c'est parfait. Oula, il faut sauter, il y a un poteau, on va péter sur le poteau. Aïe, ah, oh non, c'est bon. Oh, il faut passer par la gouttière maintenant. D'accord. Oh, regardez, je la vois à la mer, les marches sont là, on va pouvoir y aller. Enfin libéré. Yep là. Allez, bon, on accélère, mon ami. Oh, attention à la vieille, il faut pas qu'elle nous voit en dessous. C'est bon, ils m'ont pas vu eux non plus. Allez, accélère. C'est bon. On y est, attention, le van. Non. Alors, le prochain toboggan, il est où? Ah, il est juste là. Faut pas le rater, hein. Attention. Vas-y, mon petit poisson, attention, on va pas trop vite. Oulala, c'est un peu incurvé, mais non, ça va le faire. Attention, l'atterrissage. C'est bon. Alors, la suite. Où est-ce qu'il faut? Non, ça va péter, les fleurs. Ouf, merci d'avoir mis des fleurs, mamie. Allez, prends-moi ce petit checkpoint, c'est validé, on est bien. Est-ce qu'il faudrait pas sauter par là maintenant? Oui, on va pouvoir y aller. Oh, par contre, il y a la route. Tout sur la côté. Oh, c'est bon. Non, la route. Ah. Wow, vite dans l'eau. Envoyez-moi dans l'eau, s'il vous plaît. Vite. Non. Eh, les automobilistes, vous connaissez pas la priorité aux poissons? Non, j'étais trop vite. Non, c'est bon, c'est passé. Ok, vite. Ok, on y est les amis. Je saute directement dedans, c'est parti. Ah non, les trottoirs sont un peu hauts pour moi. On va prendre les marches hein. Je vais enfin pouvoir être libre. Waouh, ok, alors comment ça se passe maintenant qu'on est dans l'eau? Il faut peut-être enlever le bocal, il faudrait le casser le bocal pour qu'on aille directement dans la mer, ça sera plus sympa. Je suis parti où là? Oh, non, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais laisse-moi tranquille gamin. Pourquoi il veut me prendre? Laisse-moi tranquille. Il faut le cacher pour que papa et maman le trouvent pas. Mais non, papa et maman ils veulent me laisser dans la mer. Qu'est-ce qu'il nous a fait le type? Oh sale gamin, t'es où? Je vais te choper. Laisse-moi. What? Il nous a mis dans le grenier de chez ses parents. Oh non, c'est pas vrai, on est encore plus éloigné de la mer maintenant. Ok, tu vas voir gamin, je vais te choper, je vais arriver dans ta chambre. Non, pas encore. On a dit doucement dans les virages. Doucement. Reviens. Hop là. Oh, c'était limite. Oh regardez, il faudrait pas passer par le truc bleu là-bas, je sais pas. Il faut faire tomber ce truc là. Oui, c'est sûr. Hop là, le prochain checkpoint. Alors, y a pas une vitre ouverte ou quelque chose là?
Faut aller où? Pour tomber dans les cartons, juste là, ça va amortir ma chute, je pense. Allez, vas-y, je saute. Enfin, je saute pas vraiment, mais je roule. Non, je suis passé entre les deux. Je veux la liberté. Ah, désolé, Nemo. Bon, très bien, on va essayer de tomber dessus cette fois-ci. Voilà. Très bien, faisons le tour maintenant. Waouh, ça m'éblouit, ça. On va passer par là, il y a un petit checkpoint. Et ensuite, on va pouvoir descendre. Les marches sont juste là, par contre. Il y a une échelle qui me gêne. On peut pas sauter là. Ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Sauter là-dedans pour voir ce que ça donne. Hop là. Ok, ok. Non, je suis mort. Fallait que je fasse tomber un coussin ou un truc. Bon bah du coup on va pousser les échelles, voilà. Tomber, tomber avant moi. Ouh, hop là, doucement, doucement, doucement. Ouais, ça en fait des marches. Ok, parfait, ça amortit la chute et on est directement à l'extérieur. Pas besoin de rentrer dans la maison. Attention, c'est bon. On a pas besoin d'aller voir ce sale gamin. De toute façon, on s'en fout de lui. Allez, donc du coup on va passer par là apparemment. Oh là là, par contre une descente de fou nous attend juste après. Je suis pas sûr de vouloir le faire moi, c'était finalement très bien le bocal dans le grenier. Bah qu'est-ce que tu dis Nemo, tu perds la tête ou quoi? Bah oui, je suis un poisson moi. Ah oui c'est vrai. Sautons sur la descente. Y'a quoi en dessous, c'est quoi? Bah je sais pas. Allez, sautons, allons voir ce qu'il y a. C'est un trampoline, attention. Wow. Ouf là. Oh non ça a pété, mais oui c'est pas grave, on est dans l'eau. Par contre comment on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut pas sortir par quelque part? Mais si évidemment. Allez, c'est parti, on va se faire aspirer, c'est parti! Wouhou! Directement dans la mer, ça c'est efficace! Wouhou! Mais c'est vachement long ces tuyaux en fait! On va directement sur une autre galaxie, c'est pas possible! Non! Oh, c'est pas la mer à laquelle je pensais celle-là! Oh, on va avoir un problème les amis. Wow. Est-ce qu'on peut passer entre les grilles là? Non on peut pas. On va remonter, on va remonter. Oh, on peut passer de l'autre côté peut-être. Attention, il faut sortir de l'eau hyper rapidement. Oh, saute mon ami, saute. Oh, j'ai pas assez de vitesse en sautant. Oh, qui c'est qui a... Non, je vais m'étouffer. Ah, qui c'est qui a mis ça? Regardez ce que j'ai sur moi. Voilà ce que ça fait quand vous lâchez des trucs dans la mer. Ah mais ça m'étouffe, je vais mourir. C'était un piège. Oh, j'ai réussi à sauter un peu mieux. Vas-y, ressaute. Hop là, on est de l'autre côté. Alors maintenant, oula, attention aux bouteilles en plastoc. Ouh, laissez-moi tranquille. Oh, il y a du courant dans les égouts. Attention, vas-y, remonte. Saute. Wouhou. Oh, le salto. Non, faut réussir à faire un jump de folie par là. Oh, allez, encore un peu. Allez, non, c'est parti dans le mauvais sens. Allez, go. Bon, maintenant, par où faut aller? Est-ce que ça serait pas là-dedans là? Voilà. C'est bon. Cette fois-ci, on va rejoindre la mer pour de bon, c'est sûr. Oh, c'est trop génial! On s'amuse trop bien! Waouh! Oh oh, c'est toujours pas la mer là! Alors, ok, encore des tuyaux, on va voir. Encore! Bon, ok, on est reparti pour un tour de manège. Waouh! Je suis bloqué, les amis! Je suis bloqué! Ok, c'est bon! Oh, qu'est-ce que je fais là-dedans? Ah, mais c'est lui qui nettoie en fait! Vite, il faut partir avec son chariot! Vite, accélère! Faut pas qu'il nous voit! Alors, il faut aller par où là maintenant? À quel choix à droite? Hein, je sais pas. Oh, attention à la descente! Attention! Hop là, il nous a pas vu! Aouh! Vite, il va en avoir besoin de son truc! Allez, à gauche! Vite dans le parc! Salut mec! La prochaine! Non, il me poursuit! Ok, faut aller à droite! Oh, y a une montée de fou! Il me poursuit, il va me choper! Mais t'accélères, petit poiscaille! Allez! Nage! Mais on pourra jamais monter là! Non! Il va me choper là! Oui. Mais pourquoi tu veux me tuer mec? Je vais te choper mon gars. Bon on va faire du tout droit cette fois-ci. Ou alors faut monter les marches mais je crois pas que ce soit possible. Non on pourra pas monter les marches, faut faire du tout droit. Allez direction, l'herbe comme ça. Alors il est où lui? Bon, il court pas très vite, ça va. Ça va pouvoir le faire. À gauche ou à droite les amis? À gauche? Allez à gauche. Ou attention les calés. Ouais, il y en a trop. Je suis un poisson qui fait du 4-4. Non, je vais directement dans les galets. Aïe. Non, je suis bloqué. Non, je ne peux rien faire. Ah, non. Ah, il va me tuer encore, ce gros fou. Bon, on va passer par la droite cette fois-ci. Il y a peut-être moins de galets, quoique, je sais pas. Tout droit. Ah, il peut pas monter. Non. Accélère vite les galets. Oui, c'est bon, ça passe. Ok, passe par la gauche, passe par la droite maintenant. Parfait. La suite maintenant, c'est par où? T'inquiète, je vais te le rendre, ton truc. Laisse-moi juste trouver un autre point d'eau. Les galets, attention les galets. Non. Ah, il arrive, vite. Ah, accélère. Il va te choper. Ok, c'est bon, j'ai repris de la vitesse. Passe bien entre les galets. Parfait, c'est bon, regardez. J'ai trouvé de quoi faire. Allez, la descente. C'est parti. Wow, non, j'ai été éjecté. J'y arriverai pas. Mais s'il te plaît, lance-moi dedans. Non. Bon, cette fois-ci, on va prendre la descente un peu mieux. Attention aux galets. Oui, c'est bon. On y est, la liberté, les amis. La liberté, excusez-moi, je ne suis que de passage. Wow,
Waouh, c'est bon. Bon, c'est pas encore la merde, mais c'est déjà pas mal. Et salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter d'avoir la meilleure évolution d'insecte possible. Pendant qu'une mouche arrête pas de passer devant moi là. Regardez là, elle est sur mon deuxième écran, juste là, là. Vous la voyez, elle est juste là. C'est incroyable ça. Donc oui, je disais, aujourd'hui, nous allons avoir des évolutions bien plus stylées qu'une... Je l'ai eu, les amis. Non, c'est pas vrai, malheureusement. Je t'aurai un jour, je t'aurai. Bon bah voilà officiellement ma vidéo avec la pire intro du monde. Cette vidéo s'appellera Redkill se bat contre une mouche. Donc allez-y, partez donc pour découvrir ce nouveau jeu, les amis. On va se battre contre... Oh, quoi? J'ai pas pu prendre les deux petites araignées là, pourquoi pas? Et à force de prendre des dégâts, à un moment ça passe plus. Donc je suppose, les amis, qu'avec notre petite fourmi, il va falloir manger les autres fourmis pour pourquoi pas avoir l'évolution qui va arriver d'ici peu. Regardez, le truc est juste en haut à gauche. Oh, on peut prendre la tornade ou pas? Non, j'avais l'araignée trop stylée, multicolore, mais malheureusement j'ai tout perdu à cause de la tornade, faut bien tester. Allez, je prends ça, let's go, je l'ai donc maintenant. Wow. Ok, j'ai reperdu tous mes niveaux. Oh non, j'étais qu'en simple fourmi à la fin. Bon ok, très bien, cette fois-ci on va se concentrer et on arrête de tester des choses. Donc apparemment les têtes de mort, c'est la monnaie du jeu qui nous permettront d'augmenter notre fourmi de base. J'allais dire souris, non, c'est un peu moins bien qu'une souris quand même. Mais c'est stylé d'avoir une petite fourmi. Ça y est les amis, nous sommes niveau 2. Donc ça c'est parfait, on va pouvoir se battre contre les araignées niveau 2. Let's go. Ok, vivement, on va se passer au niveau 3. Hop là, on prend la tête de mort, on prend la fourmi et on peut maintenant détruire. Oh, on dirait qu'on a un petit cœur sur les fesses. Attention à elle! J'ai failli me faire avoir. Ok, on peut maintenant passer à la suite. On va pouvoir passer niveau 4, les amis. Cette araignée est tellement classe. Elle est complètement folle. Non, je peux pas avoir celle niveau 5. Quel dommage, mais en tout cas, on a la possibilité d'avoir un multiplicateur, les amis. Vu qu'on a pu aller jusqu'au x5 et donc on a gagné beaucoup d'argent. Et maintenant, on peut améliorer ma fourmi qui passe en araignée. Ce jeu est trop classe. Et la fourmi est toujours sur mon deuxième écran en train de regarder ce que je fais. Ouais ouais, prends-en de la graine. Tu vas voir ce que c'est des vrais insectes contrairement à toi. Bon alors comment ça se passe? Ah, je crois que j'ai mal commencé. Mais voilà, en même temps c'est cette mouche, elle arrête pas de me déranger. Bon ok, allez vas-y, on recommence et on repart maintenant pour un meilleur niveau. Donc c'est parti, on est niveau 2. On va pouvoir donc directement prendre les araignées niveau 2. Bon par contre, les niveaux 3 c'est pas encore. Mais on va se mettre tellement bien quand on pourra les manger dès le début. Parce que franchement, on en a déjà raté 2. Ça c'est pas cool. Et là maintenant, on a la possibilité de les manger. Donc let's go. Let's go. Hop là. On va pouvoir manger celle-là. On passe niveau 4 et malheureusement on pourra pas avoir celle niveau 5 encore. On a toujours pas mangé de Miguel niveau 5, mais c'est pas grave. On va pouvoir maintenant... Oh non. Oh, j'ai cru que j'allais passer niveau 5. C'est pas grave. Et hop là, on est passé donc presque au x6. Oh, l'araignée sur le x6, elle est incroyable les amis. Bon, il faut qu'on collectionne un petit peu d'argent là, un petit peu de tête de mort les amis, pour pourquoi pas avoir une meilleure évolution dès le début. Niveau 5, je peux pas l'avoir malheureusement. Niveau 6 encore moins. Oh, oh, elle m'a touché, c'est pas grave, tout va bien. En tout cas, c'est la première fois qu'on découvre la niveau 6 sur le runner. Donc, bon, pour l'instant, je peux rien manger, hein. C'est incroyable, ils m'ont bien donné à manger, c'est fou. Est-ce que je peux passer au niveau 3? Heureusement, comme ça, je peux manger celle-là. C'est parti. Et malheureusement, record non battu, les amis, puisqu'on est que niveau 3 et on va peut-être pouvoir faire x4, x5. Ok, x5. Et on a encore un petit peu d'argent, on passe directement. Oh, on passe maintenant niveau 3. Mais c'est tellement efficace, dès que t'as 20 têtes de mort, en fait, tu peux passer au niveau suivant, donc ça, c'est complètement fou. Donc, à nous d'en profiter. Alors, oh, celle-là, je peux pas la manger. Oh, mais là, c'est trop ouf qu'on puisse manger directement le niveau 3, les amis. On va se trouver un... Mais c'est... What? Mais c'est une araignée de ouf, le niveau 7, là. Oh, ça m'a fait rater un truc. Et en plus, je me suis pris la tornade. Attention, niveau 5, on peut pas l'avoir. On prend la fourmi et hop là, on peut avoir que ça. Non, il y a la toute dernière et c'est bon. Niveau 5, les amis, malheureusement. Oh, on a pu avoir celle de niveau 6. Et on a encore assez d'argent pour passer niveau 4 dès le début. Et malheureusement, on peut pas manger celle niveau 5. Hein. Mais les niveaux sont de plus en... Aïe, 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 aïe. Non, elle m'a touché. Bon, c'est pas grave, j'ai quand même récupéré ma forme. Laisse-moi passer. Oh, attention. Ok, c'est bon, ça va. Mais les araignées niveau 8 sont incroyables. Mais je peux passer là ou pas? Elles vont me défoncer. Non, c'est bon. Je sais pas comment j'ai réussi à passer. Elles avaient des pattes de fou. Quel dommage de ne pas être niveau 6 là, les amis. Parce que je me serais régalé. J'ai raté la fourmi. C'est incroyable ça. Bon, c'est pas grave. Attention, on passe là. On peut manger celle-là. Ok, on va pouvoir manger. Et on va pouvoir passer niveau 6, les amis, pour la première fois. Let's go. On a l'araignée verte. La plus classe pour l'instant qu'on ait vue. Oh, mais l'araignée noire, elle est classe aussi. Hein. Wow, j'ai failli prendre un coup, mais c'est bon. Allez hop, on bat le record évidemment. On passe maintenant au x8 quasiment. On est mort face au x8, mais bientôt on va pouvoir manger. Donc allez, on a la possibilité de commencer directement au niveau 5 maintenant. Donc là, on se met bien. Malheureusement, je peux pas manger, c'est le niveau 7. Oh, elle est tellement stylée, le niveau 7 aussi. Alors, hop là. C'est laquelle, les amis? Dites-moi dans les commentaires, quelle est votre araignée la plus stylée que vous trouvez la plus stylée dans ce jeu. Moi, il faudrait que je les re-regarde, mais je sais pas trop pour l'instant. Hop là, attention. Aïe, elle m'a eu, c'est pas grave, je peux terminer niveau 7. Let's go, on a terminé niveau 7 et on peut taper. Oh,
C'est celle-là ma préférée. C'est celle qui arrive juste après, les amis. Elle est incroyable. Laisse-moi passer, laisse-moi passer. Aïe. Bon, bah là, depuis le début du runner, là, j'ai coupé au montage, mais il y avait rien en fait. Il y avait absolument rien. J'ai rien mangé, mais c'est bon. Je commence à me rattraper. En fait, le truc, c'est qu'il y a même une petite fourmi à niveau 1, elle donne autant qu'une araignée niveau 3. Donc, ça, c'est cool. Hop là, à droite, à droite. Elle m'a pas touché. C'est bon, tout va bien. Allez, on se fait bien. Oh là là, la niveau 8. Elle est trop classe. Allez, on passe même au niveau 9. C'est officiellement mon araignée préférée, les amis. Elle est incroyable. Et on va pouvoir passer niveau 10. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais elle est trop stylée. Elle est incroyable. Hop là, c'est parti. Est-ce qu'on va pouvoir aller taper le boss, les amis? C'est parti. Attention. Bam. Let's go. Le combat contre le boss. Bam. Oh, trop stylé, on lui envoie des flammes et bam, on l'a défoncé. Hey les amis, par ici, suis-je vraiment une mouche? Sortez-moi de là en mettant un gros pouce bleu. Allez, s'il vous plaît, je compte sur vous. Merci. Et salut tout le monde, c'est Redkill et bienvenue à tous sur EvoWorld. Ce jeu est super fun et s'il vous plaît les amis, faites-moi une faveur. Beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont toujours pas abonnés, alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre l'équipe. Et essayez de mettre tous ensemble 20 000 pouces bleus sous cette vidéo, vous allez battre un record. Bienvenue à tous pour l'histoire de Redkill la mouche. Eh oui, effectivement, je pense que vous l'aviez compris, mais c'est comme ça qu'on va démarrer, mais vous inquiétez pas, nous allons évoluer dans d'autres spécimens, mais pour cela, il faut manger cette petite libellule. Ah non, si elle a du rouge autour d'elle, c'est que je peux pas la manger, c'est que c'est plutôt le contraire qui va se passer. Donc il faut que je trouve quelque chose à manger qui a du vert autour de lui, c'est la seule chose à laquelle je vais pouvoir m'attaquer pour que, hop là, on va éviter les prédateurs quand même. What? C'est un délire ce truc. Alors apparemment, il faut que j'aille dans l'eau de temps en temps pour recharger. Oh, qu'est-ce qu'il me veut lui? Va attendre là, je vais me noyer par contre. Il faut que je recharge ma barre d'eau qui est tout en haut, évidemment, mais surtout, il faut pas que je monte trop dans l'air, sinon je vais perdre de l'oxygène. Mais si j'ai bien compris, il y a d'autres... Oh, ça y est, je peux manger quelque chose. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, ok. Ben, je comprends pourquoi. C'est des énormes tas de bouse. Hop là. Oh. Ça y est, je suis un papillon. Oh, c'est trop stylé. Il faut me renommer, du coup. Redkill la mouche, ça va plus. Ouais, enfin, ne parlons pas trop vite, parce que si je me fais manger, je vais recommencer et je serai une mouche. Alors, on va pas se... Oh là, il y a un crocodile énorme. Bon, qu'est-ce que je peux manger? Il y a des grenouilles, mais elles sont rouges, je peux pas les manger pour l'instant. Je peux manger des cerises, pas du tout. Oh, les fleurs. Je peux manger les fleurs, hop là. Par contre, j'aimerais bien manger les autres joueurs, moi. Allez, hop, viens, on butine ça, tec. Oh là, il faut que... Ah, ça y est, ma part d'expérience, elle est en haut. Et là, je suis à 80 sur 150. Et je suis actuellement un moustique, apparemment. Bon, attention à l'oiseau. Oh, il m'a fait trop mal. Il m'a fait trop mal. Ok, faut que j'aille chercher de l'eau, là, je crois que... Comment on reprend de la vie? Je pense qu'il faut avoir la barre d'eau à fond. Hop, là. Donc, je vais aller la remettre à fond en espérant que le requin vienne pas sur moi. Hop, voilà, barre d'eau à fond. Ah, ça m'a pas redonné de la vie, mais si, ça m'en redonne quand elle est à fond, c'est bon. Bon, tâchons de vite évoluer. Oh, il y a du poisson. Est-ce que je peux manger le poisson? Enfin, c'est des arêtes, là, pour le coup, mais... Non, je peux pas en manger pour l'instant. Bon, que mange le moustique à part... Attention, à part le sang d'humain, là, il y a des petites... c'est quoi? C'est des framboises, des petites mûres, je sais pas. C'est vrai que pour l'instant, je peux pas manger les autres joueurs, encore moins les crocodiles. Alors, malheureusement, on va parcourir la map, voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut manger. C'est normal que... Mais attendez, c'est quoi ces trucs, là? Il y a des fantômes avec des faux. Je suis pas sûr qu'il faille que j'aille là-dedans. Là. Oh, j'arrive pas à sortir. J'étais en train de m'enfouir. Ah, ça y est. Alors, apparemment, maintenant, je peux manger les petits chats. Ah, oh, je peux les piquer. Viens là, petit chat. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi mon butin. Hop là, je suis en train de monter. Tac. Et c'est bon. C'est prêt. Alors, je suis devenu du quoi? Je suis devenu une guêpe, carrément. Alors là, ah, je peux manger les petites cerises maintenant. Ok, très bien. On continue d'évoluer pour l'instant. Les autres joueurs me laissent tranquille, ils sont pas trop sur moi. Attention au perroquet quand même. Non, ça va. Le perroquet n'a rien, n'est pas rouge autour de lui, donc normalement il peut pas me manger. Moi, je vais en profiter pour terminer ces petites cerises. Laissez-les-moi. Qu'est-ce qu'il me veut le pélican là? Là, là, là. Redonnez-moi ça. Tac. Mais c'est pas possible, tout le monde vient là. Laissez-moi les cerises, s'il vous plaît. Je peux manger que ça, moi. Eux, ils peuvent se manger entre eux, moi, je peux pas. Hop là, c'est bon. Ah non, il reste un tout petit peu pour pouvoir passer, du coup, en libellule, apparemment. Hop là, c'est bon. Alors, apparemment, on va pouvoir utiliser des capacités. Comment on fait? Oh, je suis caché. Oh, trop stylé. Trop stylé. J'aimerais bien sortir, parce que je vais me faire manger. Qu'est-ce que c'est? Crampon type passif. Vous pouvez attraper et piéger une proie pendant 4 secondes. Ok, alors je peux pas avoir le cochon malheureusement. Oh, oh. Attends, je peux manger un autre joueur. Je peux manger la mouche, mais elle est partie s'enfouir. Reviens là. Oh. Ah, mais moi je passe pas. Oh, c'est bon, elle est là. Aïe, 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 viens là. Oh oui, c'est bon, je suis accroché à elle. Je l'ai accroché, les amis, avec ma capacité spéciale. Oh, il y a une autre libellule qui veut manger. Non, montons pas trop, on va mourir. On est en train de perdre l'oxygène.
Attention, il y a un plafond. Ah, ok, faut redescendre là. Viens. Vas-y, viens avec moi. Je vais te manger. Oh, je suis en train de manquer d'eau. Ok, j'abandonne la proie, il faut que j'aille chercher de l'eau. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau autour de moi là. C'est la crise. Il faut que j'aille tout à gauche apparemment sur la map, donc vite, faut se dépêcher. Oh, ce jeu c'est un délire. Mais pour l'instant, je suis vraiment qu'au début des évolutions. Je suis que 180e sur tous les joueurs. Il faut que je me dépêche à trouver de l'eau. Vite. L'eau était là-bas. Allez, c'est bon. Oh, parfait. Oh, c'est un petit bac. Là, il n'y a pas de requin. Là. Parfait. Bon, il y a des poissons. Je sais pas si je peux les manger. Hop là. En tout cas, on s'est mis bien. Hop là, vite. On va se noyer, c'est bon. Et alors, qu'est-ce que... Oh, je peux manger une petite coccinelle qui était là. Oh, regardez. J'ai attrapé le papillon. Je suis en train de me faire un papillon. Vite. Faut que je le détruise. Le joueur allemand. Tu m'échapperas pas. Oh, il est en train de monter tellement. Hop là, il a plus de vie, hein. Il ne manque plus qu'un coup et c'est bon. Allez. Hop là, victoire. Donc allez, il ne manque plus grand chose pour que j'évolue. Alors je vais aller manger cette petite coccinelle qui est là. Mais arrêtez de me pousser. Ah, il y en a une autre là. Hop là. Là, il faut la manger en deux coups et c'est bon. Je suis un pigeon et là, je me fais toujours manger par les crocodiles, ça évidemment. Oh, il est le faucheur, mais c'est un truc de fou. Le hibou, il m'a mangé un petit peu. Ok, allez vite, on va aller boire de l'eau. Aïe. Il m'a mis tellement cher, le pteranodon. Allez vite, faut aller boire là. Hop là, on se remet bien. C'est bon. Vite, on ressort. Allez, on s'en va d'ici là. Il faut éviter les autres joueurs, non. Là, je me fais toucher encore une fois, je suis mort. Qu'est-ce que je peux faire avec le pigeon? Apparemment, j'ai des crocs. Vous mangez le prochain aliment en une bouchée. Je peux manger un truc en une seule fois. Oh, c'est trop génial ça. Encore faudrait-il trouver quelque chose à manger. Alors, j'espère que je peux pas manger de cerises malheureusement. Oh, peut-être qu'il faut que j'aille dans la cave, trouver un truc à manger. Oh, il y a des souris. Oula, je vois pas grand-chose. Je suis pas sûr de vouloir m'y aventurer si je vois pas grand-chose. Peut-être qu'il va falloir l'attendre. Ah, ok, mes proies sont marquées, en fait, depuis le début. On peut manger des noisettes, la brioche et des petits vers de terre. Ok. Hop là, petite noisette. Ah, ça met bien, les noisettes. Ça met super bien. Tac, ça m'a donné pas mal d'XP, je crois. Ah, laisse-moi voir les noisettes. On peut pas se manger entre pigeons, malheureusement. Allez, hop, c'est bon. Oh, attention à la guêpe. Bon, il faudrait que je trouve de la brioche, mais je sais pas du tout où je vais trouver ça. Attention aux autres. C'est bon, pour l'instant, personne m'embête. Hop là. Bon, ok, je vais continuer à manger mes petits... Oh là, attention. Il y avait un énorme boss. Je sais pas quelle évolution c'était, mais... Il y a un joueur sur le serveur, il est à niveau 788 000. Hein. Il a 788 000 d'expérience, c'est juste complètement fou. Bon, en fait, les noisettes, c'est pas exceptionnel. Il faudrait absolument trouver de la brioche. Trouvons de la brioche ou des vers de terre. J'ai vu un vers de terre tout à l'heure. Mais malheureusement, attention, je me suis fait piquer. Je vais me faire manger, j'ai plus de vie. On s'en va. L'astuce, si tu pars en... Oh, tu te caches, voilà. Tu te caches, t'es bien. Oh, trop bien, un vers de terre. Laissez-le-moi. Ils m'ont tout piqué. Alors, j'ai trouvé pas mal... Wow, j'ai trouvé pas mal de brioches ici. En fait, il faut aller dans les souterrains, apparemment. Attention à pas se faire attaquer par la souris. Alors, normalement, elle peut pas m'avoir. Ah, il y a quelqu'un qui a eu la même idée que moi. Un Italien. Ah, tu vas me laisser la brioche, toi. Laisse-moi ça. Tac, elle est pour moi. Par contre, il y a un énorme rat là-dessous, là. Il faudrait pas se protéger à lui, par contre. Eh, tu vas me laisser la brioche, toi. Mais c'est incroyable, ils sont tous là à me piquer mes brioches. Bon, pour la peine, je vais manger celle-là, voilà, en un seul coup. Bon, en fait, vraiment, quand t'es un pigeon, tu vas dans les souterrains et t'as tout ce qu'il faut, hein. Il y a de la brioche partout. Tac, voilà. Allez, encore une petite brioche et je pense que ça sera bon. On va pouvoir passer, du coup. Je vois pas qu'est-ce qui est écrit. Bon, on va voir, attention. Oh, un canard. Bon, le canard, il mange à peu près la même chose, sauf qu'il a les poissons en plus, mais du coup, moi, tant que je suis tranquille ici, je vais manger de la brioche, histoire d'encore évoluer, je ressortirai après. Alors, le canard, il peut faire quoi? Vous pouvez rester plus longtemps sous l'eau, de plus, votre vitesse de nage est améliorée sous l'eau. Je suis parti où, là? Wow, on se calme, je suis pas sûr que je suis censé être là, moi. Et la poule, tu vas me laisser ce ver de terre, s'il te plaît? Ah, c'est pas possible. Bon, allez, moi, je vais aller manger les deux brioches en dessous, là. Je vois plus rien du tout, mais bon, il y a de la brioche, tout va bien. Attendez, je vais descendre encore un peu et à mon avis, ça va être tout noir. Hop là, je finis cette brioche, on descend. Oh. Ah non, ça peut pas être plus noir que ça, tu m'étonnes. Là, par contre, à tout moment, j'arrive sur un méchant. Hein. Bon, je peux plus descendre. Donc, on va remonter. Ah, c'est mieux d'y voir un petit peu plus quand même. Donc là, c'est parfait. Je vais... Oula, il y a un dragon qui vient d'arriver. J'ai même pas vu ce que c'était. Un phénix ou un dragon, on sait rien, mais c'était très stylé. Je vais terminer donc cette brioche et on va pouvoir ressortir enfin de cette cave. Je l'espère, avec... Un oiseau bleu. Oh, attention, c'est celui dont je parlais. Attention, laisse-moi tranquille. Oh, c'est bon, j'ai réussi à m'en sortir et je peux manger maintenant des œufs. On veut directement œuf brioche. Plein de protéines pour la journée. Alors apparemment, là, j'ai la possibilité d'avoir... Vous glissez vers le bas pendant 3 secondes. Si vous frappez d'une proie ou de la nourriture, ils subissent le double de damage. Oh.
C'est-à-dire que je peux attaquer des gens par le haut. Oh, ça va être trop stylé. Bon, par contre, je vais manger d'abord. Hop là. Oh, je l'ai fait sur la brioche. Ce pauvre brioche, effectivement, je l'ai fait pas mal mal. Eh, t'as voulu me piquer ma brioche, toi, là? Ah, je peux manger les petites baies qu'il y a dans le buisson. Le problème, c'est que ça me cache derrière, alors... manger ou se cacher, il faut choisir, quoi. Je peux également manger les fraises qui sont là. Par contre, il faut que j'arrive à passer par-dessus la fleur qui me gêne. Voilà, je mange le petit asticot, les petites fraises. Attention à pas se faire piquer. Et on va pouvoir évoluer d'ici peu. À mon avis, avec ces fraises, ça suffira. C'est bon! Je pond des œufs! C'est pour ça! C'est pour ça qu'il y a des œufs partout! C'est grâce aux autres joueurs, en fait. Il nous faut un maximum de poules dans ce jeu. Oh, je peux le manger, lui, ou pas? Ce serait bien que je m'attaque aux autres joueurs, là, un peu, là. Mais franchement, je suis pas assez évolué. Alors apparemment, je ponds mes œufs et à chaque fois qu'ils arrivent, je gagne 50 d'expérience. Donc en fait, c'est cool parce que je vais très rapidement évoluer. Je peux pas manger les œufs des autres, par contre, ça c'est dommage. Bon, en vrai, la poule, oula, c'est quoi ces flammes là? Elle mange pas grand-chose, la poule. Mais ça va suffire normalement. Avec ces deux brioches là, on devrait être en capacité, hop là, de passer au perroquet. Oh, je peux manger tellement de choses. Et là, je pense qu'en tant que perroquet, je vais pouvoir... Oh, attention, il y a des boules de feu, mais c'est quoi ce monde de fou, là? Ça serait bien de retrouver la ville ou quelque chose comme ça, là. C'est un peu plus sûr que le cimetière, quand même. Je pense qu'en perroquet, j'ai moyen d'attaquer pas mal de joueurs. Bon, faut faire gaffe, quand même. J'aimerais bien... Tu peux me laisser les brioches, s'il te plaît? Merci. Oh, vite, on se dépêche. Alors, attendez, c'est quoi, ma... Vous avez 25% de manger... Attendez... Hop. En une seule bouchée, d'accord. J'ai 25% de chance de manger des fruits. La faucheuse! On s'en va! On trace! C'est bon, j'y ai échappé. Bon, du coup, il y avait les cerises, mais je lui laisse, hein, y a pas de problème. Je vais éviter d'y retourner quand même. Pour l'instant. Attention, Pteranodon. Ah, on est arrivé dans le monde de glace. Alors, il y a des morceaux de viande énormes à graille. Oh, par contre, il y a pas mal d'ennemis là qui attendent la viande, je crois. Ah, je me fais attaquer par une chauve-souris. Ouais, il y a beaucoup d'ennemis là. Je vais peut-être pas rester là. Hein. Ce qui est fou, c'est que j'ai pas mal d'évolution et pour l'instant, je peux pas manger grand monde. Par contre, je peux être mangé par lui, par exemple. C'est dingue ça. Regardez, je peux même pas manger les papillons. Pourquoi je peux pas manger les papillons? Je suis un perroquet. J'ai le droit de tout ce que je veux. Par contre, là, les oiseaux comme ça, les oiseaux plus petits que moi, ils arrivent à me manger s'ils le veulent. Bon, de toute façon, le plus important, c'est de pas se faire manger, justement. Hop là, il me faut de la fraise, là. Allez, on est presque à la prochaine évolution. Il va me manquer, de pas me faire attaquer déjà. Mais surtout, de manger cette petite brioche, ça devrait suffire. Laisse-la moi à toi. Ouais, va-t'en. C'est bon, nouvelle évolution. La cigogne. Oh, alors, malheureusement, je peux pas manger grand-chose. Par contre, j'ai la possibilité de manger les petites grenouilles, donc ça, c'est cool. Et alors, je peux manger les poissons. Ah, on va se mettre bien, les amis. Bon, par contre, je peux pas rester très longtemps là-dessous. Alors, faut faire gaffe. C'est quoi ma capacité spéciale? Je sais pas, attendez, j'ai pas le temps de la lire. Hop là, oh, je lui ai piqué. Il va m'en vouloir. Hop là, on ressort de là un petit peu, quand même. Hop, hop. Allez, 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 hop. Viens là, petit poisson. Viens là, viens là. Vous avez vu ce qu'il y a en dessous, là? J'aime pas trop les araignées. J'aime pas trop les araignées, on va s'en aller là. Hop, il va manger, lui. Donc ma capacité spéciale me permet de trouver des grenouilles dans les marais, apparemment. Oh, attendez, il y avait un petit asticot pour moi, là. Ah, je me le suis fait piquer, tant pis. Donc je peux faire... je peux trouver des plus de chances de trouver des grenouilles dans les marais. On va aller dans les... Oh, attention, la faucheuse. Des grenouilles dans les marais et surtout, on aura 35% de chance de les manger plus vite. Alors, où sont les marais, déjà? Ouais, toujours pas. Oh, attention, lui. Les marais sont toujours là quand on ne les veut pas. Par contre, quand on les cherche... Oh, what? Je pouvais manger un pélican, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois que je peux manger les pélicans. Bon, alors là... Oh, attention, un dragon! Wow! De l'eau, de l'eau, de l'eau! Ouh. Alors, j'ai trouvé du sable, mais pas les marais, malheureusement. Il y avait un serpent. Wow! 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 C'est incroyable, cette pyramide. Alors, j'ai trouvé les marais, mais je sais pas comment ça fonctionne. Je vais me laisser en... Oh, j'en ai trouvé! J'arrive à en trouver à l'intérieur. Bon, par contre, je perds beaucoup d'oxygène comme dans l'eau. Oh, c'est trop génial. Bon, par contre, faut ressortir. Faut ressortir. Faut ressortir. Plus vite que ça. Je vais mourir. Non, c'est bon. Ouh, ok. C'est bon. On y retourne. Mais en tout cas, c'est trop bien parce qu'en fait, on est ici. On est plutôt safe par rapport aux autres joueurs. Là, ils peuvent pas trop venir. Et regardez, je suis en train de chercher. Apparemment, des petites grenouilles. On voit pas grand chose de ce qui se passe. Mais ça se passe bien, je gagne de l'XP. Toi, tu vas me laisser tranquille, d'accord? Tu me laisses mes grenouilles. Attends. Ah, mais j'avais même pas vu, j'ai évolué apparemment en oiseau rouge qui va. Qui peut manger, mais tellement de trucs. Attention à pas se faire manger par contre. Oh, ça va, on s'en va, on trace. Donc là, c'est parfait, je peux manger des mouches maintenant. Je peux enfin remanger d'autres joueurs. Alors, viens là, toi. Tu vas où comme ça? C'est qu'elle est rapide, cette mouche. Hop, non. Hop là, c'est bon. Quoi, je l'ai pas tué? Là, je. Là, je suis en train de la manger ou pas? Non, elle est repartie! Ah! Mais c'est cool parce qu'il n'y a pas. Oh! Oh, boum! Comment je l'ai défoncée? Non, même pas! Ben non, elle est passée en papillon. Elle a eu de la chance, elle est passée au papillon au moment où je l'ai attaquée. Bon, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Je peux manger des mouches et des moustiques.
Donc c'est les autres joueurs. Là, il y a un moustique. Boum! Je lui ai mis tellement cher. Faut le terminer. Viendra à toi. Voilà. Donc à mon avis, à partir de maintenant, les évolutions qu'on aura nous permettront de manger de plus en plus de petits créatures ennemies. Viendra. Reviendra. On va pas plus vite que lui, hein. Oh, je suis un oiseau, je suis censé aller plus vite que lui, là. Il faut que j'arrive à faire une attaque aérienne. Ça va être compliqué, hein. Il faut que j'arrive à sa hauteur et que j'appuie sur clic droit. Voilà. Mais pourquoi il va plus vite que moi? C'est quoi ce délire? C'est un truc de fou! L'oiseau va plus vite que le moustique quand même, non? Oh, il s'est fait ralentir! Boum! Attention! Oh, comment je l'ai allumé! Je sais pas si c'est pas le crocodile qui me l'a piqué. je sais pas. En tout cas, on va le laisser au crocodile si c'est le cas. Bon, allez, je retourne en souterrain manger de la brioche. Bon, en tout cas, encore peut-être deux évolutions et je vais pouvoir passer dans le top 100 joueurs. Là, je suis 114e, 116e, ça a changé. Ça bouge trop vite dans ce jeu, mais ça y est, j'ai repris ma 114e place. Je ne vois plus rien. À tout moment, il y a un rat qui me saute dessus. Ok, on va remonter, il y a de la brioche. On va pas s'embêter. Un diamant. À quoi ça sert les diamants? Je sais pas. Oh! Ah mais attendez, j'espère que personne ne va me le piquer. Ah non, c'est bon. Et ça y est, nouvelle évolution, je suis passé en pélican. Je peux manger du poiscaille, des grenouilles et des crabes. Alors hop, on va aller s'attaquer aux poissons. Par contre, attention aux requins. Oh, je peux rester tellement de temps sous l'eau. Ça va être terriblement efficace, ça. Est-ce qu'il y a des crabes au fond, vous pensez, les amis? Je pense que si je suis fait pour ça, hein. Alors attendez, j'ai un truc qui me permet d'améliorer ma nage. Ah, c'est amélioré automatiquement, ok. Ah, trouvons des crabes. Alors... Des crabes, C'est normal qu'il y ait ça là, il y a des requins un peu partout là. Hop là, il y a rien du tout, il y a pas de crabes. Il y a personne, il y a quelqu'un qui se cache apparemment. Bon, je vais essayer de trouver des poissons, ce sera plus simple. Voilà, parfait, viens là toi, nickel. Et les amis, je suis passé officiellement dans le top 100, je suis 99e là. Vite, mangeons un poisson pour assurer ma place. Ah ben non, je suis passé 101. Attention! Ça va. Oh, une étoile de mer. Aussi, je peux la collectionner ou pas? Oh, elle a ouvert les yeux. Allez, je te laisse, j'ai pas le temps. Désolé, faut que je trouve des crabes au fond. Bon, moi, en tout cas, rien qu'avec les... je suis toujours pas sorti, hein. J'ai toujours pas repris d'oxygène. Et je suis en train de manger tous les poissons de l'océan, les amis. Hop là, il m'en manque un pour pouvoir évoluer. Et on va évoluer en... Attention, je ne sais pas, on va voir ça. C'est parti, en dinde. Ah, par contre, la dinde, elle voit plus rien. Il faut qu'elle remonte vite. C'est bon. Vite. J'aurais dû y penser plus tôt qu'il fallait que je sorte. C'est bon. Oh, je peux manger tellement de trucs. Je peux manger les guêpes, les libellules, les serpents. Oh, faut aller dans le désert direct. Le désert, c'est où? Ok, c'est de l'autre côté. On y va. On trace. Bon, en attendant, sur la route, est-ce que j'ai pas la possibilité de manger des trucs? Non, y a rien. Donc on a dit libellule et guêpe, hein. Ah là, je me rappelle le temps où j'étais une simple guêpe. Oh, là par contre, il y avait une reine abeille. Celle-là, je pouvais pas la manger. Ah, alors attendez, j'ai la possibilité de trouver si je touche la terre. On va éviter de la toucher là, surtout qu'il y a une chauve-souris qui m'attaque et un crocodile. Si j'appuie sur clic droit, ah ok, ça marche pas pour l'instant. Vous avez 40%. Oula, je sais plus lire. De trouver un verre. Ok. Non, pour l'instant, j'en ai pas eu, hein. Oh, attendez, il y a deux guêpes, là. Il faut que je m'en fasse une des deux. Venez là. Hop. Non, elle s'échappe. Elle est en train de se faire manger par l'autre dinde. Ah, toi, je vais te manger, viens là. Je suis tellement plus rapide qu'elle, par contre, c'est abusé, hein. Il y a moyen que je me la fasse, celle-là. Hop là. Tiens. Elle revient à chaque fois sur sa fleur. Non, elle me l'a piqué. Oh, je suis deg. Bon, du coup, je vais me faire la libellule qui est là. Hop là, reste là, toi. Pourquoi? Elles ont toute leur vie à chaque fois que je les attaque. Et allez, boum! Allez, encore une autre. Oh, il y en a deux! Je suis sûr que deux personnes. Libellule, reviens. Et je ne te ferai pas de mal. Oh, elle est partie où? Elle est partie dans le bateau. Moi aussi. Qu'est-ce qui se passe? Oh, viens là, boum. Mais il y a tellement de libellules, c'est abusé. Rien à ça, il y en a deux ici, il y en a deux derrière le buisson. Venez là. Sortez. Oh là là, elles sont trop fortes. Bon, attendez, je vais voir s'il n'y a pas un ver de terre. Non, rien du tout. Bon, je suis toujours en direction du désert. Ça y est, enfin. Il faut trouver un serpent maintenant. J'imagine qu'il va me donner mais tellement à manger. Par contre, oui, j'ai rien trouvé pour l'instant. On va regarder du côté, de l'autre côté de la pyramide. Par contre, j'ai plus beaucoup d'eau. Il faut absolument que je sorte du désert, du coup. Il y avait une goutte d'eau. Ouais, j'aurais peut-être pu la prendre, mais attendez, il y a de l'eau là. Voilà, parfait. Et il y a juste pas de serpent, en fait. Il y a aucun serpent. C'est quoi ce délire? C'est quand on les veut, on les trouve pas. C'est fou, ça. Ah, les crabes, ils sont tous là. Ah ouais, si, il faut revenir si jamais j'ai besoin de crabes.
Oh, attends, mais je suis en feu, il faut que j'aille dans l'eau, parfait. Et par contre, il y a un espèce de T-Rex là. Ok, on va l'éviter. À mon avis, lui, en un coup, il nous mange. Voilà, il me manque plus qu'un seul truc à graille et ça sera bon. Donc, je vais voir si j'ai moyen de trouver un petit ver de terre là, au sol. Hop là, tac, c'est bon. Je suis devenu une chauve-souris, je peux... Je peux manger les rats maintenant. Et surtout les souris, donc ça c'est parfait. Il faut absolument trouver une cave. Ben en voilà une, je crois. Non, c'est pas une cave ça. Il faut retourner tout à gauche de la map là pour le coup. Ah, ou alors attendez, il y en a une ici. Ah ouais, mais ça va être des araignées. Ok, non, j'ai pas envie d'y aller. Je vais me faire allumer. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de souris dans la pyramide. Alors on va tenter. J'espère qu'il y aura des rats aussi en tant qu'à faire. Ah oui, je crois que quelqu'un était déjà sur le coup. Salut toi, salut collègue. Merci de me donner la suite de l'aventure. Il y a un oiseau bleu. Ah, malheureusement, je peux pas le manger. Bon, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il pourra pas me piquer ma souris. Hop là. Oh là là, c'est qui ce diable là? Laisse-moi tranquille. Je suis venu en paix au nom de tous les chats et de toutes les souris. D'ailleurs, voilà, une petite souris pour moi. Il y a un serpent. Je peux pas le manger celui-là. Alors, particularité de la chauve-souris, évidemment, c'est qu'on voit parfaitement dans le noir. Et ça, c'est plutôt efficace. Par contre, je vais pas aller à gauche. Il y a une espèce de toile d'araignée encore. Je vais me contenter de ces petites souris là. Il me faut. Oh, trop de chance. Il me fallait de l'eau. Il fallait que je ressorte. Et regardez, il y avait un point d'eau juste là. Bon, bah, très bien. Je vais pouvoir redescendre tout en bas. J'ai vu qu'il y avait des rats. Alors, hop là, c'est dans un laboratoire. Par contre, ils sont orange, donc à mon avis, ils me font des dégâts. Quand moi aussi, je leur en fais, mais il va falloir vite les manger, je pense. Alors, attendez, c'était juste là, je crois. Tac, on va descendre. Allez, encore un peu d'effort. On va manger cette petite souris avant d'y aller. Non, même pas, j'ai pas le temps. De toute façon, je vais évoluer normalement. Regardez, ils sont orange, je vais me les faire ou pas? Oh, ah oui, ils me font des dégâts. Oh, il faut s'y mettre à plusieurs, alors. À mon avis, il va me tuer. Hein. Oh. On se fait à peu près aussi mal. Non, lui, il est dans le jeune. Moi, je suis dans le vert encore, donc on va tenter. Wouah! Non, ça craint, je risque de mourir, vaut mieux pas le manger. À la limite, je vais revenir après si éventuellement je peux reprendre ma vie. Je vais manger cette petite souris, voilà, parfait. Est-ce qu'il a repris sa vie lui aussi ou pas? Oh, non, voilà, donc je peux en profiter. Normalement, c'est bon, je vais pouvoir me le faire. Hop là, go, 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 go. Maintenant! Yes! Oh, trop stylé! Je suis hyper rapide! Les amis, je suis une mouette! Je suis ultra rapide! C'est pour l'instant le plus rapide que j'ai eu depuis le début, hein. Oh. Alors du coup, je peux manger des poissons, des crabes. Oh, il faut que j'aille chercher les crabes tout à gauche. Bon, alors des petits poissons feront l'affaire, hein. Oh, je nage tellement vite. Eh, venez, petit poisson. Oh, il me l'a piqué. Il me l'a piqué. Oh, la chance qu'il a. Je suis en train de manger tranquillement un poisson. Il y a un requin énorme qui passe juste en dessous. Ah, mais attendez, je vais aller au fond. Il faut que j'aille chercher les étoiles de mer. Normalement, il y en a. Hop là, laissez-moi passer vite. Merci. C'était risqué quand même. Alors, oh, elles doivent donner tellement. Elles sont pas faciles d'accès. Alors, j'imagine qu'elles donnent pas mal. 150, ah ouais, c'est énorme. Bon, là, je suis presque à évoluer. Donc, je suis remonté un petit peu, histoire de pas me faire piéger. Si jamais j'ai un truc qui vole pas très bien sous l'eau. Hop là, c'est bon. Encore un poisson et c'est bon. Hop. Toi, tu seras ma cible. Par contre, il y a un plafond là, il va falloir vite remonter. C'est bon, vite, on monte. Oh, je suis tellement lent. Je peux manger tellement de choses maintenant. C'est encore un truc de fou. Et je suis quoi? Je suis un merle. Waouh, il est trop stylé. Par contre, il y avait deux énormes pteranodons qui me suivaient. Ouais, je suis monté tout en haut et je vais tenter une attaque. Peut-être pas ici, là, il y a là. Waouh, il est énorme ce truc. Go, je fais une attaque. Je sais pas où est-ce que je vais atterrir. J'espère pas sur quelqu'un d'autre. Et bam. Oh. Dommage. Je suis arrivé dans l'eau, ça aurait été trop stylé d'arriver sur quelqu'un. Allez hop, on va retourner manger un petit peu de brioche et des œufs. Et le petit moustique espagnol. Ah, c'est devenu une guêpe. Oh, attendez, je vais prendre le français là. Viens là toi, viens là. Tout tireux. Non, ils vont se cacher dans le nuage. C'est pas vrai. Quoique. Allez, encore un peu. Yes. Bon, ça aurait été très vite en tant que merle. Je vais pouvoir passer apparemment en frelon. Oh, à mon avis, le frelon. Il va pouvoir faire... Oh, oh, pas eux. Pas se faire toucher par eux. Je crois qu'ils nous empoisonnent. Attention, je me suis fait piquer. Tant qu'à faire, c'est mieux que se faire empoisonner. T'inquiète. C'est bon. Laissez-moi ça. Non. J'attaque. Oh, mince. J'ai attaqué le perroquet et pas la guêpe. Hop là. Allez, il faut que je la termine. C'est bon. Je suis dessus. Elle peut rien faire. Yes. Boum. Et ça y est. Wow. Ça y est, les amis. Regardez. J'ai mangé quelqu'un sans faire exprès. Je peux m'attaquer à tellement de monde au perroquet. Oh, boum.
Enfin un personnage intéressant qui peut manger tous les autres. Alors là, on est bien, les amis. Or, pas tous les autres, hein, mais quelques-uns quand même. Hein. Oh, regardez, je peux manger au moins 10 espèces d'ennemis. Hein. Oh, le pigeon. Alors attendez, je peux faire une attaque spéciale, je sais pas ce que c'est. Hop là, j'aimerais bien me le faire, le pigeon. Il est où, le pigeon? Oh, une poule. Petit pigeon, on vous déteste. On vous déteste tous, partez de là. Partez de la ville. Hop là. Hop. Il est malin celui-là. On est clairement sur le vraiment le premier vrai personnage qu'on a depuis le début. Boum. Ah, enfin, on peut manger tout le monde, c'est trop cool. Ce qui est bien, c'est que je pense pas être mangeable par beaucoup de monde, donc ça c'est cool. Vraiment, j'ai pas vu grand monde qui avait du rouge autour de lui, hein. Oh, y a pas grand monde. Hein. Bon, allez, je vais manger. Oh, what? Qu'est-ce qu'il fait là, le pic vert? Faut que je me le fasse. Tac. Attendez, je crois que c'est pas un joueur lui, par contre. Oh, trop stylé. Oh, c'est moi qui l'ai eu, parfait. Allez, encore des cerises. On va pouvoir évoluer, du coup, on va passer en vautour. Oh, le vautour, ça va être pas mal aussi, je pense. Hein. Donc ça y est, j'y suis, et je peux... Qu'est-ce que je peux faire? Vous mangez le prochain aliment en une bouchée, exclu les joueurs. Oh, trop bien. Ah, mais je peux manger que du poisson. Oh, je suis trop nul. C'est quoi cette arnaque? Je peux manger même pas que des poissons morts, que des arêtes. Ok, je sais où elles sont. Pas eux. Pas de dinosaures, s'il vous plaît. Non, mais laisse-moi, il y a un seul poisson. Il y a qu'une seule arête, là. Et c'est bon, il me l'a laissé. Vite. Yes, je l'ai mangé. Oh, ça m'a donné tellement d'XP. On va pas y rester longtemps en vautour, je pense. Hein. Là, par contre, il y a trop de rouge, là. Il y a trop de rouge. Oh, lui, il a l'air de faire trop mal, en plus. En tout cas, je suis rendu à 10 000 points, c'est énorme. Je suis passé 77e du serveur, et regardez, en 3 poissons, j'ai pu passer... En hibou qui peut manger. Attendez, il me faut de l'eau. Avant de manger. Oh, je peux manger les grenouilles. Mais il me faut de l'eau. Je peux manger les grenouilles. Je mange les grenouilles. Rapidement. Vite, on se dépêche. Attention à la chauve-souris. Oh, je peux me faire manger par une chauve-souris. Vite. L'eau. Parfait. Pas toi, va-t'en de là. Tout va bien. Viens là, toi, petit canard. Le vilain petit canard. Ok, il a essayé de me feinter. Il y arrive. Oh, il est parti dans la cave. Oh. Il essaie de sortir. Boum. Quoi, je l'ai raté. Non, c'est pas vrai, il va pas m'échapper. Encore un coup. Il peut pas m'échapper. Aïe. Ah, il va aussi vite que moi. Je pourrais jamais le rattraper. Il sait que je suis en train de le poursuivre en plus. Je te laisserai pas, mon gars. Je te laisserai pas. Meurs. Viens là. Attention. Boum. Level up. Je suis passé en oiseau marron. Ah, il peut manger pas mal de choses, lui aussi. Donc, allez, hop là, viens la petite libellule. Ah, attendez, je vais manger des petites cerises, ça fait un moment. Oh, non. On est reparti pour une course poursuite, c'est pas possible. Je t'aurai. En plus, c'est un français. Hop là, tac, allez, encore un coup. C'est bon. Ah, je vais manger une mouche. Ah, j'ai raté deux coups sur la mouche, apparemment. Je sais pas pourquoi. Vous avez été infecté, vous. Pour vous désintoxiquer, vous devez boire de l'eau. Ok. Oh, ça fait pas beaucoup de dégâts, en tout cas. Ça va, j'ai le temps avant de boire de l'eau. Hop là, ça risque de s'empirer, par contre. C'est qui, lui? Hop là, c'est bon. Oh, faut vite partir d'ici. Bon, en tout cas, je vais pouvoir évoluer d'ici peu, peut-être, hop là, en mangeant cette petite cerise. Laissez-la moi. Merci. Non, toujours pas. Ok, on va s'attaquer aux fraises, alors. C'est horrible comment on rentre tout le temps tous en collision. Ça m'empêche d'avancer tout le temps. Une petite noisette, non? Alors, peut-être, ces fraises-là, c'est bon. Je suis un faucon. Oh, il est trop moche, mon faucon. C'est pas possible d'être comme ça. Alors, je peux manger les souris. Oh, ça y est, je peux manger de la viande. Oh, c'est trop cool. Alors du coup, il faudrait partir tout à gauche de la map. Il y avait pas mal de viande. Je pense que ça pourrait nous mettre hyper bien. Alors je crois qu'on y est presque. Je bois un petit coup d'eau. Et en tout cas, j'ai une compétence spéciale, les amis, qui me permet de voler dans la direction que je veux. Genre, par exemple, si je suis dans le mauvais sens, hop, je vais directement dans l'autre sens. Si quelqu'un me poursuit, je peux vite l'échapper. C'est un petit peu l'avantage du faucon, je pense. Mais moi, je veux passer en aigle. C'est la prochaine évolution. Ah oui, mais il y a des prédateurs ici. Allez, vous avez laissé de la viande un petit peu? Il y a un œuf qui a été pondu dans la glace, je sais pas comment elle a fait la poule. Mais tant pis pour moi, je pourrais pas le manger. Par contre, est-ce que je peux aller par là? Oh. J'espère qu'ils m'ont pas vu, ils sont deux en plus. Ah, ça craint les amis, je pense qu'il vaudrait mieux que je parte de là. Oh non, mais c'est un labyrinthe ce truc. Hop là, on va passer là. Laissez-moi la viande, s'il vous plaît. Mais c'est incroyable. Oh, il y a un Yeti. Mais si, ils ont mangé toute ma viande, mais surtout, les amis, il y a un Yeti énorme. C'est quoi ce délire? Bon allez, hop, je vais manger la viande. À mon avis, ça doit donner pas mal, j'espère, si personne me la pique. Voilà, c'est bon. 250. Ah ouais, c'est énorme. Et... Ah, il me l'a mangé.
Je rêve. Où il y a un ennemi, Ils sont en train de s'attaquer. Où Yeti? Ils vont se le faire. Allez hop, encore un peu d'XP. Parfait. Voilà, je suis tranquille à manger ma viande. Tout seul. Il y en a un qui est en train de se faire chasser par un autre. C'est parfait, il a qu'à pas piquer ma viande. Et normalement, avec ces deux morceaux de viande, je devrais pouvoir passer à l'aigle. Et alors, à mon avis, en aigle, des victimes, on pourra en avoir. Par contre, il y a un dragon, j'espère qu'il vient pas sur moi. C'est mon chien aigle. Oh oui, effectivement, des victimes, il y en a pas mal là quand même. Eh mais je peux aussi manger de la viande, pourquoi pas hein. Dommage que je peux pas le manger, lui, il arrête pas de me piquer ma nourriture tout à l'heure. Voilà, boum, je lui ai piqué. Celle-là, je vais essayer de lui piquer. Oh, wow, j'ai pas réussi. Oh, je peux manger des manchots. Ou des pingouins, je sais plus la différence, mais en tout cas, 400, ils donnent tellement. Ça met bien. Par contre, faut que j'aille boire vite. Allez, on se dépêche. Hop là, y a une sortie là, j'espère que je passe. Je suis pas sûr de passer, hein. On m'attaque. Vite, je dois m'en échapper. Tac. Oh ouais, mais c'est trop bien, c'est trop cheaté le truc pour partir. Le petit coup de vent là. Bon, c'est bon, je suis rassasié, on va retourner là-bas, on va essayer de choper un petit peu de noob là-bas. Après, franchement, j'aurais pu rester au glacier, hein, j'ai pas mal de... Mais attends là, toi. J'aurais pu manger pas mal de choses. Alors, les dinosaures volants ne peuvent pas manger. En tout cas, celui qui avait là, le petit. Alors, qui est-ce que je peux manger ici, moi? Attention. Oh, je peux manger de la poule. Hop, viens là, toi. Viens là, petite poule. Elle se fait attaquer. Ah non, c'est quelqu'un qui la suit. Hop là. Oh, il me l'a piqué. Oh, je peux me faire tellement de monde. Oh, regardez. Hop là, on va essayer de la voir. Oh. Je l'ai eu plus 300, ça met bien. Hop, pas le crocodile par contre. Hop là, je vais en avoir un autre. On va essayer de choper la poule. Non, on va pas la choper. Regardez, elle me laisse des œufs quand même, je vais pas la manger. Viens là, toi, petite poule. Je suis parti dans l'autre côté. Pigeon, ça fait toujours plaisir d'éliminer des pigeons. Je peux pas. Il y a un petit oiseau bleu qui se cache dans ce nuage. Il y a un ennemi, on s'en va. Hop là. C'est bon. Oh, le perroquet. Hop. Oh là là, il y a trop de monde. Le phénix. Bon, je suis à que dalle d'évoluer là. Franchement, un petit perroquet, ça ferait du bien. Tac. Mais il y a trop d'ennemis là. Je peux pas rester là. C'est pas possible. Je vais mourir. L'oiseau bleu à la limite. Allez. Oh, il s'en va. Allez, mords-lui les fesses. Allez, redescends. Je suis en train de voler trop là. Hop là. Bon, allez, il manque plus rien là. Il y a pas un œuf ou un truc comme ça. Oh, il y a tellement de pigeons là. Oh, il y a un ennemi aussi. C'est quoi, c'est les chauves-souris qui peuvent me manger? Ouais, ça craint ça. Ça craint, on s'en va! Hop là! Alors, il y a un pigeon là, faut que j'arrive à le choper. Il a plus de vie. Hein. Je l'ai eu ou pas? Je l'ai eu? Je l'ai pas eu? Lui, je vais l'avoir! Quoi? Mais attends, il y a deux pigeons qui se cachent là! Ils font que se cacher! Ils vont rester là combien de temps? Oh là là! Ils ont trop de chance, ces pigeons, c'est pas possible! Ouais, il est mort! Il s'est fait manger par quelqu'un d'autre. Bon, bah, j'arrive toujours pas à évoluer, hein. J'ai mon aigle depuis tout à l'heure. À chaque fois que j'essaie de manger quelqu'un, on me le pique. Ou alors, il y a un ennemi qui arrive, c'est bon. Alors, je suis un argent des neiges. Un quoi? Je sais pas, mais je suis très stylé. Par contre, je mange pas grand-chose, hein. Bah, allez, je retourne voir mes manchots pendant que je suis en train de me faire poursuivre, là. J'espère qu'il va abandonner sa quête. Oh, il y a un dragon. Oh, il veut pas me lâcher. À mon avis, je dois être une bonne proie pour lui, mais c'est un truc de fou. Bon, j'espère que là, en faisant le tour, il va abandonner sa quête. Oui, c'est bon, il a pas l'air de me suivre, parfait. Allez, go, manger du manchot, j'espère que je suis tout seul. Ah, c'est vrai qu'il y a encore lui, le Yeti. Bon, j'espère qu'il mette bien les manchots, parce que franchement, j'ai pas grand-chose à manger, alors il faut qu'il me donne au moins... 10% à peu près de la barre, ça va, il faut que j'en mange 10. Vite, on s'échappe, il va se retourner, il va me manger. Vite, je peux pas sortir, j'arrive pas à sortir. Ah. Par contre, il y a vraiment que dalle comme manchot, hein. Oh là, oh, il l'a tué. Oh, je suis piégé. Non, je suis mort. Aujourd'hui, les amis, nous allons faire évoluer plusieurs fois ce petit chiot tout mignon en un monstre chien légendaire. Et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Désolé, mon petit chiot. Et salut tout le monde, c'est Reptile, votre savant fou préféré pour une nouvelle vidéo dans laquelle... Nous allons prendre des petits chiots afin de les faire évoluer dans des monstres. Wow, il est complètement fou celui-là. Mais oui, les amis, c'est exactement ce qu'on va faire dans mon laboratoire. Mais tout d'abord, il faut étudier les petits chiots afin évidemment de les faire évoluer. Donc pour cela, on a pas mal de prints d'ADN comme ça que nous allons mettre juste là afin de récupérer. Qu'est-ce que c'est, des caisses? Oh, qui vont aller dans le broyeur? C'est un broyeur. Allez hop, ça va là-dessus. Là, je suis pas sûr de ce qui va se passer là. Oh, regardez, ça sort par là. C'est les petits échantillons comme ça qui nous permettent de gagner un petit peu d'argent. Grâce à ça, on va pouvoir découvrir de nouvelles espèces à faire évoluer. Donc dans ces cas-là, on va continuer à travailler dans le labo et juste après, on partira pour une nouvelle aventure. Mais attendez, j'ai moyen d'améliorer ça. D'abord, faut que j'aille chercher l'argent. Alors, je sais pas ce que ça va permettre, mais sûrement, on va avoir de nouvelles évolutions possibles. J'en sais rien, on va aller voir ça. C'est parti donc pour aller faire un petit run, les amis. Let's go.
Donc nous sommes passés de savant fou à chiot, pas très intelligent, je suppose. Du moins, beaucoup moins que le savant fou. Alors hop, on va manger un petit peu de viande, c'est parti. Est-ce que je peux manger la plus grosse viande ou pas? Ah non, je suis pas assez gros malheureusement, il faut que je passe en un petit chien comme ça qui est magnifique et cette fois-ci il peut les manger et pouvoir, pourquoi pas évoluer en l'évolution suivante qui sera... Qu'est-ce que c'est que ça? Les amis, je vous avoue que après toutes ces années d'expérience dans mon labo, je ne pensais pas réussir à amener un chiot à ça. Un chien à trois têtes, si on peut appeler ça un chien, bref. En tout cas, c'est parti, on va pouvoir aller se battre les amis, mais surtout récolter un maximum de brins d'ADN qui vont nous permettre d'étudier de nouvelles choses. Et c'est parti, qu'est-ce que c'est que ça qu'il y a en face? C'est un rat. Ah non, c'est un chat démon. Il m'a frappé ce grand fou là. Il faut cliquer le plus rapidement possible pour l'expulser et gagner un maximum d'argent. Let's go. Oh, ça m'a rapporté pas mal de tubes les amis. Voilà, je mets tout dans mon dos si possible. Ah ouais, j'ai pu tout mettre d'un coup. On va tout mettre ici les amis, on va pouvoir découvrir pourquoi pas des araignées qu'on va pouvoir faire évoluer après. Mais attendez, est-ce que je vais avoir assez? Il me faut 22 de thunes. Là j'ai que 5 malheureusement. Et c'est pas possible, je trouve que ça n'avance pas assez vite dans mon laboratoire. Écoute ça en fou, si t'es pas content, t'as qu'à générer un peu plus d'argent qu'on puisse avancer plus vite. Voilà, du coup j'ai 10 billets qu'on va pouvoir mettre donc directement dans l'araignée. Et malheureusement je n'aurai pas assez d'argent, donc on repart pour un nouveau run histoire de faire un maximum de thunes. Donc pour cela il faut améliorer ce petit chien qui devient beaucoup plus gros et afin de devenir un Cerberus. Les amis, c'est n'importe quoi. What? Par contre, qui c'est qui me lance des trucs de fou là comme ça? Attention! Wow, je l'ai pris dans les pattes. Aïe, 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 j'ai tout pris dans la tête, mais c'est pas grave. J'arrive quand même avec quasiment un maximum de force. Ça va pas m'empêcher de le taper le plus fort possible. Boum! Ah, les chiens et les chats, ça a toujours été compliqué. Bon, bah, si avec toutes ces cellules, les amis, je n'ai pas assez pour avoir l'araignée, je ne comprends pas, mais en tout cas, on va pouvoir normalement la déverrouiller. Il me faut 12 billets maintenant. Alors hop, distribue là-dedans, mets tout dans le broyeur. Et va chercher l'argent, petit noob. Oui, chef, j'y vais tout de suite. J'y vais. Donc ça y est, j'ai les 12 billets, les amis, qui vont me permettre, du coup, d'avoir la petite araignée magnifique. Oh, ça a carrément changé mon petit chiot. Mais what? Maintenant, on va vraiment avoir l'araignée à faire évoluer dans les runs et tout. Mais c'est n'importe quoi. Bon, bah, allons tester ça tout de suite. De toute façon, j'ai pas assez d'argent pour débloquer quoi que ce soit d'autre dans mon laboratoire. Et là, maintenant... on a toujours de la viande et on a surtout une araignée mignonne, un cute spider. Alors mignonne, je sais pas trop. Pour moi qui n'aime pas trop les araignées, je dois vous avouer que... ouais, ça va, elle est plutôt mignonne. J'ai vu pire. Non, elle est vraiment affreuse. Bon, allez, go de la faire évoluer le plus rapidement possible. Elle est incroyable. La tarantula. Non, tu peux pas manger ça, c'est trop petit pour toi. C'est trop gros pour toi, t'es trop petite pour ça. Et là, c'est bon, on a la dernière évolution de l'araignée. Elle est incroyable, on va la mettre. Puissance maximum, les amis, là. On peut y aller. Par contre, ils ont rajouté des pièges, donc il va falloir faire gaffe. Oh, ça va, le run n'est pas très long. Oh, attention. Wow, je l'ai pris dans la tête, c'est pas grave, ça va le faire. Et what, c'est qui, lui? Lui aussi, il est sorti de mon labo, quoi. C'est quoi, ça? Boum. Terminé pour toi, petit noob. Bon, record non battu, malheureusement, pour l'instant. J'avais perdu un peu de puissance sur la route. Donc, allez, on va collecter tout ça. Et on a un petit peu de billets. On va pouvoir augmenter peut-être ce truc-là à 49$. Je sais pas à quoi ça sert, hein. Peut-être que ça produit plus vite, j'en sais rien. Allez hop, on récupère tout ça, on a 13, hein, c'est pas assez. Bon, je vais laisser toute mon usine travailler parce qu'en fait, elle arrive à travailler toute seule, il faut juste amener ça là. Et après, quand je reviens, tous les billets sont là, je crois. Donc autant repartir, faire un nouveau run, les amis, et gagner encore plus de recherche scientifique. Par contre, les... oh, j'aurais pu y aller comme ça. Ah mais oui, je peux juste mettre la puissance max tant qu'on y est, tac, voilà. Et les pièges deviennent de plus en plus fous. Regardez, il y a de quoi nettoyer la voiture, mais on n'ira pas, tac, attention à ça. Oh là, le marteau. Attention, c'est bon, ça passe. Donc là, j'ai puissance maximum, donc normalement, on devrait pouvoir battre notre record, les amis, sur ce géant de lave qui va aller jusqu'au x2,6. Ah, je sais pas si on avait pas fait plus tout à l'heure. Bon, en tout cas... tout ce qu'on vient d'avoir. Ah, mais ça n'a pas généré beaucoup de billets, en fait. C'est pas possible, ça peut pas avancer plus vite, ça. Bon, en tout cas, nous sommes à 30 billets, les amis. Il va m'en manquer plus que 19 pour terminer ça. Je sais pas ce que ça va permettre de faire. Peut-être débloquer un nouvel ADN, j'en sais rien. En fait, je suis un scientifique, mais je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire là. Et moi, je vous suis, chef, je vous suis. Donc, normalement, j'ai les 12 billets requis. Ah non, il va m'en manquer plus que 2. Les amis, on va débloquer ça et en plus, et après, on débloquera une nouvelle espèce. Je sais pas ce que c'est la prochaine espèce, mais elle coûte très cher. Elle coûte 75$. Et dans ce jeu, l'argent, c'est assez rare. Hein. Allez, on va améliorer ça. Alors, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Nouvelle branche. Oh, c'est un nouveau boss, je pense. Parce que ça a changé le portail. J'ai l'impression que ça y a eu un truc. Donc, allons voir si c'est un nouveau boss. Mais en tout cas, il va falloir s'y préparer comme d'habitude. Manger un maximum de viande. Hop, voilà, on est maxé quasiment. C'est bon, on est prêt, on peut y aller. Prépare-toi, petit boss, parce que je vais t'allumer, mon pote. Oh non, c'est le même boss. Oh, mais le run a été super rapide, là, pour le coup. Bon, allez, c'est bon pour nous de cliquer le plus vite possible. Il faut battre notre record. Yeah, bam. Allez, x2,7, s'il te plaît. 7, 7, 7, 7. Non.
Pour l'instant, j'ai pas assez de puissance, en fait. Il va falloir changer de mob. Wow, en tout cas, il va falloir 125 billets pour améliorer ce truc-là. Bon, très bien. On va s'occuper plutôt du nouveau pet, les amis, qui va me permettre d'avoir un nouvel animal de compagnie. Donc allez, je mets 18$ ici, il va manquer 57. Oh. Wow, c'est cher. Moi, ça fait beaucoup de petites capsules comme ça, les amis, de briques, etc. Mais voilà, le broyeur, il fait pas les choses bien. Hein. Il est tellement lent. Attendez, j'accumule les briques au-dessus, mais bientôt, il y aura plus de place, quoi. Bon, il me manque plus que 16 billets pour débloquer ce qui semble être, les amis, je sais pas trop ce que c'est. Un oiseau? Je sais pas. En tout cas, ça m'a l'air très puissant. Bon alors, ça travaille ici? Allez, plus que 8 billets, dépêchez-vous. Ma patience a des limites. Comment t'as pas demandé ton avis à toi? Oh non, le retour des boules tueuses. Oh ben voilà, ça y est, je commence le run, je m'en prends une. C'est pas grave. Je l'ai repris une autre. Ah, ah, c'est bon, j'en ai pris que deux. Tout va bien. C'est toi qui lance ça là? C'est toi qui lance ça, mon pote? Ah! Calme-toi maintenant, les gars! Allez, encore un billet, les amis, et c'est bon. On a assez pour débloquer une nouvelle espèce. J'ai failli partir dans le runner et on peut y aller. C'est parti. C'est un poussin piou, trop stylé. Allez, on va voir ce que tu veux, mon pote. Oh. Plutôt végétarien, ça va pas t'empêcher d'évoluer, je suppose. Oh, stylé, pas mal. Allez, maintenant, tu peux manger directement le maïs comme ça et... L'évolution, wow, c'est un roux cool. Et franchement, il est très stylé. Après, dans Pokémon, c'est pas très stylé, mais là, c'est pas mal. Donc là, à mon avis, les amis, on va pouvoir battre notre record de x2,6. Je suppose, et le nouveau boss, c'est juste ouf. Wow. C'est un squelette volant, on est full puissance les amis, c'est le moment pour nous de le défoncer. Bam, et de battre notre corps le x3. Non. Mais pourquoi on peut pas faire plus? C'est quoi ce délire? Et ça y est, j'ai enfin les 125$ les amis. Après pas mal de temps de farm, on va pouvoir donc directement mettre ça ici et découvrir qu'est-ce que c'est. Attention, un nouveau laboratoire. Rien du tout. C'est juste qu'à mon avis, c'est juste un peu plus rapide. Et du coup, on a plus rien à améliorer. Il aurait fallu qu'ils mettent plus d'espèces à découvrir. Et salut tout le monde, les amis. Oh, je suis là. Est-ce que vous me voyez? Oui, je suis bien là. Un petit verre de terre. Oui, ils m'ont pas donné mieux pour commencer. Car oui, les amis, aujourd'hui, sur ce simulateur d'animaux, nous allons devoir tenter de faire évoluer notre petit verre de terre en quelque chose de beaucoup plus gros. Et paraît-il qu'il y a un dragon. C'est ce qu'on va voir. En tout cas, nous allons manger tranquillement du petit champignon, histoire de pourquoi pas grandir et gagner un petit peu d'expérience. Donc allons de ce pas manger un petit peu. Wow, il est gigantesque celui-là. Hop là, on va vraiment devenir comme ça à partir d'un verre de terre. C'est incroyable. Oh, je suis pas assez fort pour pouvoir manger de la viande, les amis. Ah non, je ne mange pas de viande. Je mange des petits champignons, moi. Il me l'a piqué devant mes yeux. On va chercher de la salade un petit peu, mais arrêtez de manger ce que je mange. Ah, je ne peux pas manger tranquillement ce jeu. Ah, c'est bon, je peux manger des fleurs tranquillement. Personne va me les piquer, celle-là. Ah, la pluie vient me la piquer. Mais j'ai quand même gagné de l'XP, donc c'est parfait. Là, en même temps, c'est le terrain des abeilles ici, hein, mais bon, c'est pas grave. Les petits vers de terre viennent ramasser un petit peu ce qui reste. Donc allez, les amis, on va passer à 10 sur 10 d'XP, ce qui va nous permettre sûrement d'évoluer. Let's go. On est passé en mode fourmi. Alors maintenant, on doit faire beaucoup plus de dégâts, j'imagine. Ah ouais, on fait deux dégâts maintenant sur les petites fleurs comme ça. Maintenant, il faut passer à 25 d'XP. Ok, très bien. Allez, on travaille. Je vais pas dire on butine, hein. C'est plutôt elle qui butine. Elles sont trop stylées, les abeilles. J'arrive bientôt. Ok, allez, hop, on va s'occuper de cette petite fleur. J'espère que personne ne va venir. C'est bon, merci. Voilà. What? Il y a un terrain de foot avec un serpent qui est en train de jouer. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens me battre. Mais les amis, je n'arrive pas à bouger la... What? Allez, marque dans son camp. Je vais marquer. J'ai raté. Oh. Hop là, c'est parti de l'autre côté. Bon, allez, j'ai autre chose à faire que de jouer au foot, moi. Donc allez, on va manger un peu de salade, là. C'est pas mal, la salade, ça fait 20 de vie, donc on va vite passer au niveau suivant. Hein. Alors attention, hop là, yes, on est passé en larve de scarabée, les amis. Waouh, trop classe, c'est trop bien fait. Regardez-moi ça, on dirait une éponge. C'est trop cool. Et du coup, maintenant, je fais combien de dégâts? Je fais autant de dégâts à la salade, d'accord. Bah, je vais me prendre le x2 d'XP, les amis, histoire qu'on se mette super bien, qu'on débloque, pourquoi pas, le dragon de la fin du jeu. Ouais, x2 dégâts, hein, tant qu'on y est. Donc allez, c'est parti pour farmer un maximum, les amis. Donc ça y est, maintenant, je fais 4 de dégâts aux salades, donc ça fait plaisir. Et boum, on a déjà up. On a maintenant un petit escargot. Quelle classe. Allez, hop, on va... Ah bah, déjà, on va avoir pas mal de lieux à explorer, les amis. Là-bas, il y a le champ. J'ai vu qu'il y avait la savane là-bas. Il y a plusieurs trucs trop stylés. Oh, je one-shot les fleurs jaunes maintenant. Oh, yes. Waouh, on est toujours en escargot. J'ai cru que j'avais évolué, mais non. Mais là, on va évoluer d'ici peu. Attention. Let's go, on est une abeille. On peut voler, c'est tellement classe. C'est quoi ce le champignon big? Ok, vas-y, je le prends. Hop là. Oh, je l'ai one-shot. Hop là, bon, il avait une moitié de la vie, mais bon. Allez, hop, on butine. Oh, mais je one-shot tout, c'est tellement puissant maintenant. Bon, en tout cas, on est toujours pas arrivé sur les animaux, hein. C'est bien le nom du jeu, Animal Simulator, mais malheureusement, pour l'instant, on a rien de cela. Mais bon, ça va arriver d'ici peu, je pense. Attention, nouvelle évolution, c'est parti.
on est un gecko maintenant, un petit reptile. Oh, tellement stylé. Bon, par contre, il faudrait peut-être que j'aille ailleurs, là, parce que c'est pas assez fort pour moi. On va aller de ce côté-là, il y a sûrement des trucs beaucoup plus puissants. Mais c'est gigantesque, en fait. Regardez, les champs, c'est tout là-bas. Alors, maintenant, il y a des petites fleurs bleues comme ça, très stylées. Les fleurs bleues, tac, 30. Oh, je leur fais 20. Oh, je les double shot. Alors, les salades, je les one shot. On est passé en petit hamster. Ça y est. Ça commence à être stylé. Allez hop, on enchaîne la salade, les champis, la salade, tac, hop là. Et on est passé en rat. Ça, c'est stylé. Allez, on continue. On va reprendre la petite fleur bleue. Est-ce que je les one shot maintenant ou pas? Oh, je leur fais 26 de dégâts. Allez hop, on va monter les marches. Hop là. Ça saute haut, hein, quand même, pour un petit rat, quand même. Hein. Hop là. Petite fleur bleue, on prend ça et on évolue encore en kiwi. Kiwi. Oh, c'est quoi les champs rouges là-bas? C'est là-bas où il y a le dragon ou quoi? Attendez. Oh, fleurs rouges, let's go. Les fleurs rouges, on les a complètement allumées. Les fleurs bleues, par contre, on n'arrive pas à les one-shot encore, mais ça va arriver à la prochaine évolution, je pense. Allez, un petit peu de salade. Et c'est quoi qu'il y a là-bas? C'est un truc où il y a des joueurs, c'est sûrement pour faire un boss. Ah, mais attendez, je peux pas y aller en kiwi. En kiwi? Il va falloir que j'évolue avant d'y aller, hein. Hop là, bah c'est bon, là. On est passé en lapin. Je sais pas si ça va être suffisant, mais alors attendez, comment on monte là? Faut sauter super haut. Ya, j'y arrive pas. On va tenter de faire le tour. Oh non, les amis, c'est impossible pour moi de monter. Il me faut un meilleur animal. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un œuf. C'est un œuf, il a 62 vies, on a réussi à le double shot quand même. Et ça rapporte tellement. Alors, oh, maintenant il y a des champignons énormes. 85 de vie. Alors, ça c'est pas mal ça. Ça va nous mettre bien niveau XP. Allez, go donc, attaquer les œufs en espérant ne pas se faire attaquer par la maman qui va sortir de l'arbre là-haut là. On va prendre cher, mais non, c'est bon. Hop là, les petites fleurs rouges, et allez, prochain, on va pouvoir XP là sûrement avec les deux là. Attention, fleurs rouges, énormes champignons. Et nouvelle évolution pour nous, et il s'agit de. Alors, ah, un hérisson. Oh, il est trop marrant. Mais il a tout sauf des pics sur la tête, il a absolument rien. Alors on va mettre un petit peu de salade, là ça fait du bien, et ça y est, on est passé en mode serpent. Ha, il est tellement stylé, tous les modèles sont trop classe, ils sont bien faits la vérité. Hein. Allez hop, termine-moi cet œuf que je puisse. Ah, j'ai cru que j'allais monter, mais non, il me faut une petite fleur rouge pour avoir ma petite mangrouste. Ah, classe. Allez, on va retourner au spawn, hop là, on va se retépé. Comment on peut se tépé? Ah, on peut pas en fait. Bon, c'est pas grave, allez, hop, je vais manger tout ce qu'il y a sur ma route, tac. Ah, mais là, c'est des tout petits trucs, ça sert à pas grand chose, ça me donne pas beaucoup. Hein. Allez, encore 2-3 fleurs et on va pouvoir évoluer. Hop là, j'ai vu un petit parterre de fleurs là, c'est parfait, let's go. Nous sommes un petit dragon de Komodo. Waouh. J'arrive pas à remonter. Comment je vais faire? Comment je suis censé faire là? Attends, je suis bloqué dans le champ, je ne peux pas repartir. Ah, je suis obligé de me coltiner de ces fleurs jaunes pour l'instant, le temps qu'on puisse évoluer éventuellement. Donc allez hop, on passe maintenant en cobra, j'espère qu'il peut sauter assez haut celui-là, mais en tout cas, il est tellement classe. C'est avec lui que je faisais un petit foot tout à l'heure. Oui, c'est bon, j'ai la possibilité de revenir sur l'île principale. Ou plutôt la zone, hein, c'est loin d'être une île. Et les amis, je pense qu'il va être temps d'aller dans la savane maintenant. Alors apparemment c'est par là. Ça a l'air tellement cool. Par contre, c'est dangereux. Ah oui, c'est marqué en plus. Danger, cette zone est pour les gros animaux. Oh oh. Ah ouais, d'accord. Regardez, il y a des ours. C'est des ours? Oh là là. Petit quoi? Petit... Ah non, c'est un sanglier. C'est un sanglier, il vient de battre. Oh, je l'ai démonté. Les amis, on peut manger les sangliers. Oh là là, on va se mettre trop bien. Attends, viens là. Tac, oula, par contre, lui, il fait... Oh, il est énorme, lui, il fait 1000. Oh là là, c'est bon, let's go. Ah, je l'ai eu. Wow, mais on va évoluer beaucoup plus vite ici. Hein. Par contre, faut faire gaffe, hein. Ils font quand même mal, les petits. Hein. Viens là, petit sanglier, viens là. Hop là. C'est bon, on est passé en mode serre. Viens là, toi. Viens là. Boum. Oh, ça y est, je one-shot les sangliers. Oui, il y a sûrement des trucs beaucoup plus durs après. Oh, il y a des indiens là-bas, je vois des tipis. Oh, j'aurais dû venir dans cette zone plus tôt, en fait. Même avec ma petite abeille, j'aurais pu les démonter, je pense. Parce que je leur fais tellement mal. Bah. Allez, encore un, et on va pouvoir passer donc à l'animal suivant. Tac, boum. On est passé en mode sanglier, d'accord? Je pensais pas qu'on allait les avoir, mais là, let's go, là, on est clairement dans notre terre-terre. Allez, viens là, toi. Viens là. T'es plus grand que moi, mais je te démolis. Je suis maintenant un lion. Et là, ça va faire tellement de dégâts. Est-ce qu'on peut aller dans le feu ou pas? Ah ouais, bien sûr. Alors, est-ce qu'on one-shot les petits sangliers maintenant? Boum! Ah ouais, double shot. On leur fait 800 de dégâts, là. Il y a tellement de trucs à manger au sol, ils ont laissé tellement de butin. Attendez, je peux les ramasser, c'est les autres ou pas? Hop là, oui. Je suis horrible. Oh, il est tellement lent le rhino, mais bon, c'est pas grave. Ah non, je peux pas ramasser celui des autres, hein. Je one shot maintenant. Oh, je one shot les sangliers. Oh là là. C'est tellement puissant. Bah, il est tellement stylé en même temps, mon rhino. Bah, toi aussi tu passes. Et par contre, on va devoir perdre mon rhino, malheureusement, parce que j'ai voulu. Ah ouais, mais c'était pour la bonne cause, hein. Là, je suis beaucoup plus rapide.
vu que je suis un tigre. Allez, viens à toi. Bam. Allez, un dernier pour entrer encore une fois. Ah non, il m'en reste quelques-uns avant d'évoluer. Je croyais que j'allais évoluer rapidement. Tu seras la dernière victime de mon tigre. Oh là 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 là. On est un peu plus lent. On saute. Ah, on saute vachement haut, hein, quand même, pour un croco. Mais qu'est-ce qu'on est classe et puissant. Bon, bah, je pense que les sangliers, c'est fini. Il va falloir passer dans une autre zone avec sûrement des animaux un peu plus gros, quand même, hein. Ma feuille, il y a un œuf gigantesque là. Je vais le prendre. Par contre, c'est risqué, hein. Wow, je l'ai one-shot. Il m'a pas donné beaucoup d'XP par contre, hein. Mais il était énorme. Bah allez, on sort de la savane. Attends, c'est quoi? C'est un malade, lui. Tu crois vraiment pouvoir gagner les combats contre les sangliers, toi? Donc partons maintenant dans les marais, les amis. Oh oh, alors là, à mon avis, on va se taper du croco. Alors, où est-ce qu'ils se cachent, les crocodiles? Là-dedans? Non, absolument pas. Peut-être derrière, là-bas? C'est ce qu'on va voir. Alors, qui c'est qui va se battre, là? Ah, y a pas de combat ici, je pense, hein. C'est juste des marais comme ça. Y a personne qui bouge, hein. Par contre, les amis, y a une cave. On va aller dans la cave, voir. Oh oh, je le sens pas. Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Ah non, c'est bon, y'a rien. Ah, mais y'a pas grand-chose dans les marais, hein, franchement. Je vais aller voir là-bas, mais à mon avis, on va partir dans une nouvelle zone parce que là. Oh, attendez, on peut monter. Ah, alors attendez, on va voir ce que ça donne. Hein. Je sais pas ce qui va se passer. Mais ouais, les marais, c'est nul, hein. Les marais, c'est vraiment nul, hein. Je m'attendais à des petits crocos, moi. Hop là, alors on peut passer ou pas? Oh, yes, on. Oh, un passage secret ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, je vais continuer à monter. Ouais. Ah, je vais être limité, je peux plus aller loin. Attendez, je peux aller là, mais... Ah ouais, non, on peut rien faire maintenant. Bon, allez, marais, c'est fait. On va aller plutôt maintenant dans la forêt, voir éventuellement... Oh, attendez, je vais mettre un coup, là. Hop là, une petite lucarne. Tac. On se met droit, on se met droit. On essaie de se mettre droit, on se met droit. Voilà. Non, pas droit, ça. Ça, c'est pas droit. Là, 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 c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Go. Non, 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 non. Et... Bam. Ah, c'est complètement raté. Attendez, je vais essayer de marquer dans l'autre but. Voilà. C'est bon, c'est parti. Allez, 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 non. Ah, c'est pas facile, hein, de jouer au foot en crocodile, hein. Et hop là. Oh, bah, c'est bon. Donc allons voir dans la forêt éventuellement s'il y a quelqu'un qui s'y cache. Ah, il y a encore des sangliers, bien sûr. Venez là, bande de noobs, venez là. Bah bon, ça y est, on va pouvoir reprendre un peu d'XP là, ça fait un petit moment que j'ai pas XP. Bon, par contre, il va falloir me mettre des sangliers un peu plus gros parce que je dois vous avouer que je l'ai démoli en à peine 2 secondes. Oh, y'a un truc là-bas. Qu'est-ce que c'est? Y'a une antre. On va aller voir. Alors, si je pouvais évoluer, ça serait cool juste avant. Mais attendez, il y a aussi une entrée. Ah non, j'ai rêvé. Viens là, toi. Bah. Donc, comment ça se passe? On va monter par là, tac. Et on. Oh, regardez, ça a l'air magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit sanglier, viens là. Bam. Voilà, j'ai anéanti tout le monde qui était sur ma route. Tac. Oula, 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 oula. C'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce délire, les amis? On va passer au monde numéro 2. Comment ça se passe? C'est parti. Téléportation, je ne sais où. Wouh. Ça sert à quoi? Peux-tu améliorer ta rareté? Cela te coûtera 100 renaissance! Non, j'ai pas 100 renaissance en fait. Bon, ben on va partir de là en fait. Bon, une chose est sûre, les amis, c'est qu'on va pouvoir changer le crocodile. Alors, plus qu'un sanglier, y'a pas un petit sanglier? Bon, on va faire ça sur un œuf, hein, ou un petit champi comme ça. Voilà! On a donc maintenant la girafe qui est tellement stylée. Qu'est-ce qu'elle est puissante cette girafe? C'est incroyable. Bon, en tout cas, il me reste très peu d'XP. Tac! Pour pouvoir accéder au dernier animal de ce jeu. Donc allez hop, on va pouvoir XP plus que 2 ou 3 petits sangliers, je pense. Attention, boum. Ah là là, pas celui-là. Peut-être le prochain, oui c'est bon. Let's go. Ça y est, on a le dernier animal du jeu, les amis. Il s'agit de l'éléphant. Évidemment. Et alors lui, par contre, ha, il va les écraser en un moment de bam. Bienvenue à tous, les amis, pour un runner très spécial. Et je ne dis pas ça parce que je contrôle une vache pour la première fois, mais bien parce que tout au long de sa route, elle va collectionner tout un tas d'autres vaches qui vont passer dans ce transformateur tout au fond. Et les amis, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Cette espèce de machine, que je vais appeler plutôt la fusionneuse, va nous permettre d'assembler toutes les vaches ensemble et de donner un animal vraiment très bizarre. Je vais vous montrer un exemple avec ce niveau 1, donc c'est parti, ma vache va pouvoir collectionner toutes les autres, on est maintenant 5 et on va essayer d'en avoir d'autres. Et attention, c'est parti, on passe dans la machine, la fusionneuse. J'ai l'animal le plus long du monde, les amis. La vache la plus... Ah, j'ai raté un petit bout de viande. C'est pas grave, ah, encore un autre, c'est pas grave. Hop, on y va, on passe dans ce studio. Et les amis, nous avons officiellement la vache la plus longue du monde. Wow. Bam. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un délire ce jeu. J'ai débloqué le Shiba Inu. Ah non, pas encore. Ce jeu a l'air d'être un véritable délire. On va aller sur mon île pour voir un petit peu ce qui s'y trame. Ah, y a pas grand chose pour l'instant. On a une sorte de taureau, je suppose. Et alors, il faut leur donner à manger. Alors, on va faire ça avec ma petite chouette là. Tiens, prends ça. Oh,
D'accord, une fois que j'aurai donné assez à manger, apparemment on va avoir un petit cadeau. Bon, je vais pas tout lui donner non plus. Hein. Alors allons faire un tour dans le shop pour voir ce qui sera possible de faire, avec notamment la possibilité d'acheter le chien pour 1000. Ok. Direction les 1000 coins, les amis, pour qu'on puisse avoir le plus long chien du monde. Ça va être n'importe quoi. Donc allez, niveau 2, oh, attention. Oh, ça y est, on a... Ok. C'est quoi cette doodle? On a déjà fusionné, donc on est déjà en mode super long. Attention à la porte. Ça fait mal. Mais on est tellement long et puissant et lourd qu'on l'a complètement allumé, cette porte. Et ça y est, les amis, je crois qu'on a battu notre corps, là. Allez, encore plus longue. Et qu'est-ce que c'est? Un hippopotame. On a un hippopotame qui va aller sur notre île? Ah ouais? Et je crois qu'on a gagné assez d'argent pour débloquer... Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est l'image du jeu, d'accord. Donc on a assez d'argent pour débloquer donc le Shiba Inu qui va nous rejoindre et qui va être tellement classe, surtout dans sa version super longue. Bon, écoutez les amis, juste avant de continuer ce jeu de folie, je vous ai pas menti, il est vraiment complètement dingue ce jeu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu juste en dessous, mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et nous, c'est parti! On va collectionner les Shiba! Hop là! Et on va les faire passer dans la machine à fusion. La fusionneuse, comme je l'ai appelé. Hop là. Il y a pas mal de monde. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je me suis fait atomiser la tête. Mais il y a pas de problème. Mon Shiba est toujours là, apparemment. Il mange pas mal de viande aussi. Hop là. Tac. C'est la viande de vache qu'il y avait juste avant, là. Qu'elle a laissé un peu. Oh non. J'ai oublié la dernière et c'est parti. Mais à tous les niveaux, j'arrive à aller jusqu'au bout et débloquer donc les animaux suivants avec... Ce qui semblerait être une gazelle. Incroyable. Oh, attendez, j'ai plus important que la gazelle. J'ai la possibilité d'avoir un chapeau de Père Noël. Alors hop, on y va. Un petit peu de poiscaille, des framboises et de la thune, oui, pourquoi pas. Ça y est, on a donc débloqué le nouveau runner. Il s'agit d'un chat, mais je pense pas avoir assez d'argent pour l'avoir. Non, il faut que je collecte encore un petit peu. Et en tout cas, je trouve ce jeu mais tellement fun. Allez hop, donne-moi un maximum. Bon, j'ai raté l'argent. Oh, mais il y a tellement de thunes, c'est un niveau bonus, ça. C'est un niveau où il faut collectionner un maximum d'argent, il faut en profiter. Tac. Et je pense qu'on va pouvoir acheter le chat après. Je crois qu'on a eu affaire à la défusionneuse, les amis. Allez hop, on essaie d'en avoir d'autres. Et là, cette fois-ci... Oh. Il est encore plus long que tout à l'heure, les amis. Nouveau record. Boum. Et attention, on va avoir une girafe. Ah, est-ce que c'est vraiment une girafe? Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas réussi à aller jusqu'à elle. Oui, c'est une girafe. On a une girafe à aller débloquer. Alors, attention au marteau. Hop là, raté. Bon, par contre, j'ai aussi raté les petits chats à prendre. Hein. Bon, en tout cas, bienvenue à ce petit chat-là qui va se fusionner. Et oh, il est pas très long. Hein. Oh, attention! Attendez, il y a vraiment des trucs qui sont là pour me découper, tel de vulgaires sushis. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Laissez-moi tranquille, laissez-moi manger. Et on y est, les amis. Le chat le plus long du monde est avec nous. Est-ce qu'il sera assez long pour aller jusqu'à la girafe? Bien évidemment, couillée, ça y est. On a une girafe sur l'île. Bienvenue à elle. Oh, on a débloqué le lion déjà. C'est incroyable. Combien il coûte le lion? Il coûte 2000. Oh, j'ai presque assez pour l'avoir. Encore un niveau et ça sera bon. En tout cas, on va aller faire un petit tour sur mon île parce que je pense qu'il y en a qui ont faim. Alors, la girafe, tu viens juste d'arriver. Toi, tu vas manger du poisson, voilà, c'est ce qu'on trouve dans les arbres, voilà, ça sert à pas grand-chose d'avoir un long cou, finalement. Quoique, pour aller pêcher, ça peut être pas mal. Oh, l'hippopotame, il est tellement stylé. Toi, tu vas manger des framboises, voilà. J'inverse tout, hein, j'inverse tout dans la nourriture. On pourrait tendre l'île après, mais ça coûte 8000, c'est hyper cher, on pourrait avoir plus d'animaux, en tout cas. Et moi, tout ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller débloquer ce satané lion, qui a l'air tellement classe. Attendez, j'ai choisi le chemin de droite, j'espère que c'était plus intéressant, je suis pas sûr du tout, mais c'est pas grave. Hop là. Attends, j'ai envie de me faire découper pour voir. Ah, bah, même en voulant me faire découper, ils ont réussi à me rater quand même. Hein. Attention au piège. Oh, ça va. Hop là. Et c'est parti. Alors, je sais pas s'il est plus long que tout à l'heure. Je suis pas sûr, mais en tout cas, on va pouvoir déverrouiller un nouvel animal. Ah, même pas. Ah, c'est le singe, mais malheureusement, on n'aura pas assez. On va aller prendre. Et ils sont passés où? Ah non, d'accord. Bon. Hop là, 2000 donc pour avoir le magnifique lion et sa crinière incroyable qui vont prendre le boost et manger un maximum de viande. Oh, attention, ça monte, je vois pas ce que je fais. C'est bon, ça passe. Hop. D'abord. Là, c'est pareil, ça monte. Je vais me faire découper. Non, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Ah, il est pas passé loin celui-là. Hop là, ok, je te laisse la viande, pas de problème, je vais pas la chercher. Hop là, c'est bon. Le lion est incroyable. On y va. Le petit singe, tu es pas à moi. J'y étais presque. Quel dommage. Est-ce que j'ai débloqué un nouvel animal? Je pense que oui. Oh. What? On est sur un niveau de Stumble Guy ou quoi? C'est l'étoile de Mario, les amis! Je suis tellement plus ça! Oh non, j'ai tout perdu. Oh, je vais bien voir. Ok, parfait. Ça permet de détruire les murs. Boum!
Et là, je vais tout casser. Ah non. Ah, attention. Oh, j'ai fait n'importe quoi. On y retourne. Bon, par contre, cette fois-ci, on va faire un meilleur usage des étoiles, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Enfin, c'est pas le problème. Les étoiles, je les ai bien utilisées. C'est dès que j'ai plus l'étoile, j'ai fait n'importe quoi. Il faut prendre le chemin de droite. Il faut prendre le chemin de droite maintenant. Voilà. Attention, parce que. Aïe. J'ai réussi à gérer les couteaux, mais pas les portes. En tout cas, les amis, je crois pas que c'est mon record en lion. Et on n'ira pas jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, franchement. On a réussi ce niveau qui était vraiment pas facile. On va aller alimenter la gazelle. Ah tiens, mange un peu de tout là. Le plat, tac, un peu de viande, des framboises. On est à combien de cadeaux là? 50% quasiment, c'est pas mal. Allez, mange. Elle grandit, hein. Niveau 9. Et direction la licorne. Ah, les tuyaux, ils donnent tellement de thunes. Hein. C'est vrai que c'est important. Le plat, tac, tac. Je crois que je me suis fait découper, je sais pas. En tout cas, décomposition. Ah, vous étiez 8, les amis. C'est bon, ils ont tout raté. Allez, on en prend 4 de plus, et alors là, on va avoir peut-être le record, les amis, de taille de lion. On va le savoir d'ici peu, si j'arrive à aller jusqu'au bout, en tout cas. Allez, oui, le record réussi, on a surtout un singe. Oh, je peux avoir des chaussures de foire. Je sais pas à quoi elles vont servir, les chaussures. Est-ce que je peux rajouter des... Non, toujours pas. Est-ce qu'on peut rajouter... Mais oui, on peut rajouter des skins aux animaux, c'est n'importe quoi. C'est un nouveau chien, mais attendez, on va aller voir ça. Chapeau... Ah, 800. Ok, je peux en acheter un, mais Oh, j'aimerais trop les petites lunettes, là. Ah, on peut avoir une traînée aussi qui peut être sympa. Bon, attendez, on va prendre un petit chapeau, hop là, à 800, pas très cher. Oh, il est tout petit, hein. Et je vais surtout pas dépenser le reste, puisqu'on va avoir la possibilité de débloquer la licorne, qui va être sûrement l'animal le plus rapide de tous les temps. C'est parti. Oh, elle est magnifique. Alors, j'ai très hâte de l'avoir en mode XXL. C'est parti. Alors, attention. Là, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose là. Hein. Pour l'instant, j'ai pas collecté de licorne dans des cartons, malheureusement. En tout cas, on va pouvoir les décomposer afin d'avoir. Oh, j'en ai 4 de plus, hein. Mais attendez, mais là, c'est mon record. J'en ai jamais eu autant là. C'est abusé. Non. Je me suis fait découper. Ah, j'ai pas gagné beaucoup d'argent. Ah, ouais, mais le couteau, il nous a mis tellement mal. Mais quoi? C'est pas possible, j'arrête pas de me faire avoir. Mais non, j'étais passé à gauche, c'est elle qui arrive pas à suivre aussi. Les licornes, elles font n'importe quoi. Et elles n'en font qu'à leur tête. Elles sont belles, mais elles sont débiles. Allez, what, qu'est-ce qui se passe là? Je crois qu'il y a un bug, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Je peux plus croire. Je suis encore en train de contrôler la licorne, mais je crois qu'elle mange sa queue là. Licorne, ça va? Et l'éléphant est à nous. On va directement lui donner à manger. Je peux lui donner 9 morceaux de viande. Oh. En tout cas, le coffre est à 79%. C'est pas mal. Je gagne à peu près 2% à chaque fois que je lui donne à manger. Donc c'est cool. En tout cas, encore un run et on devrait avoir assez. Il faut que je gagne 800 coins, les amis, pour débloquer le prochain animal qui est un chien. Vous savez, les chiens super longs là. C'est les chiens déjà de base et les plus longs du monde. Mais surtout, hop là, on va pouvoir les faire encore plus longs. Wow, la fusion est incroyable. On s'est pas fait découper. Tout va bien. Et on va avoir directement un. C'est sûr là. Attendez, elle est tellement longue la licorne. On va avoir un nouvel animal, sûr à 100%. C'est sûr. Parfait. Qu'est-ce que c'est? Bah, une petite biche. Donc allez, go débloquer le prochain animal magnifique. Attention. Wow. Il y en a un qui s'est fait allumer. Il s'est fait ratatiner. Bien plein, parfait. On peut tout casser. Wow, trop stylé. J'aimerais bien avoir l'étoile tout le temps. Oh, stylé le tuyau là. Hop. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hop là, attention. On se décompose et on est tellement. Oh, regardez tout ce qui arrive après. Attendez, qui tombe pas. Oh non, il y en a qui sont tombés. Aïe. Oh, j'ai tout perdu. Quel dommage. Bon, en tout cas, il est gigantesque. On va pouvoir débloquer un taureau encore. Yes. C'est bon, c'est le deuxième que j'ai. Ah, d'accord. Apparemment, pour l'instant, je suis full. On pourra ajouter plus 5, mais il faut 8000 de coins. Hein. C'est énormissime. Mais en tout cas, on va les donner à manger. Normalement, on devrait avoir le cadeau. J'espère que le cadeau est incroyable, les amis. Hein. C'est un cadeau au cœur. Voilà, c'est notre bonne action d'avoir à nous et nos animaux. Oh. D'accord, c'est carrément un petit chat magnifique qui va, hop là, nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Hop là. C'est quoi le truc au milieu là? Bah, c'est juste des pièges, ça va. Hop là, attention le couteau, parfait. Il est pas très long pour l'instant, hein. Il va me donner plus, hein. Ah, ok, voilà, parfait. En voici 7 de plus. Oh ouais. Là, ça change tout. Et en plus, on va pouvoir manger. Et hop là, est-ce qu'on va pouvoir avoir le prochain animal?
Dans tous les cas, non, parce que j'ai plus de place. Hop là. En tout cas, les animaux viennent de plus en plus chers. Là, j'ai 3000. Ah, d'accord, j'ai directement débloqué ici. Trop stylé. Alors, on avait quoi déjà? Oh, c'est une petite piquette, là. Mais malheureusement, j'arrive pas à les voir. Ah, hein. Oh, je peux pas savoir ce que c'est à l'avance. Bon, en tout cas, j'ai assez d'argent pour débloquer la Fashion Cut. Incroyable. J'avais oublié à quel point elle était si stylée. Et alors, par contre, quand on va la mettre en mode XXL, ça va être juste abusé. Même ses habits, hein, ils augmentent. Ah, là, là. Hop là, hop là. Attention. Oh, j'ai pris le choix de droite. Ah, je crois que c'était un mauvais choix. Ah, c'était le choix de l'argent. Hein. Il y avait le choix de la grandeur ou de l'argent. Ah, j'aurais préféré être grand. Mais tant pis. Allez, go. On continue. Attention, pas se faire crapouiller. Ah, il y en a un qui s'est à voir. C'est pas grave. Allez, go, on a collectionné un maximum. Bien évidemment, on n'a jamais eu aussi grand vu qu'on en a jamais eu. Mais en tout cas, il est énorme. Il est énorme. Ah, toujours pas. Donc bon, en tout cas, j'ai assez d'argent pour m'acheter les fameuses... Ah, ça remplace le chapeau, je pensais que ça venait en plus, mais en tout cas, elles sont tellement classe, ces petites lunettes. Je vais même me prendre une petite traînée à 1000, en espérant qu'elle puisse... Oh, trop classe, la petite traînée heureuse. Attendez, on va tester ça. Oh, trop classe. Il est vraiment trop stylé. Hop là, hop là. Et on n'aura pas réussi à être aussi long que tout à l'heure. Ah ouais, non, là, j'ai pas été bon du tout, là. Donc c'est bon, les amis, j'ai... Oh, débloqué l'île suivante qui est juste... tellement classe. Ah là, il y a pas de doute, mes animaux seront beaucoup plus heureux. Attendez, je vais l'étendre encore un petit peu, une petite pub. Attention. Ah ouais, d'accord. C'est un cirque le truc. Oh. Ah, c'est la possibilité de revenir à un truc beaucoup plus naturel. Alors, je vais le faire aussi. Et là voici, là voilà la nouvelle île qui peut accueillir mais tellement d'animaux. Me voici maintenant avec deux nouveaux animaux, notamment ce petit tigre qui est incroyable. Il y a le chien aussi qui est beau gosse aussi avec ses petites lunettes et la traînée rose, mais on va tester le tigre, les amis. Alors c'est parti, montre-nous toute l'étendue de ta puissance. Hop là, tac. Va que chaque chien, il y en a deux. Parfait, on est bien. Et alors je crois, les amis, que c'est les deux derniers animaux là que je viens de débloquer, c'est les deux derniers qu'on peut débloquer sans avoir recours à des animaux spéciaux comme... comme le chat spécial qu'on avait. Oh, je me suis fait allumer quand même. Donc ce qui veut dire qu'on a fait le tour de ce jeu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.